Salut à tous, bienvenue au Café des Apostats, l'émission qui décrypte la société musulmane. En fait, c'est la nouvelle saison, après 7 épisodes de la saison 1, Une vérité par jour talk show, j'ai décidé de changer de nom et de l'appeler Café des Apostats. Bah déjà, il y a un nouveau décor, il y a une nouvelle fonctionnalités qui vont animer un peu plus les lives que d'habitude. Et je suis très content de revenir sur les lives après quelques mois d'absence. Voilà, j'avais des problèmes d'ordinateur, j'avais un nouveau taf qui était assez chargé. Et là, en fait, récemment, j'ai décidé de revenir, de refaire des lives, déjà parce que j'ai été sollicité par pas mal d'apostats qui m'ont envoyé des messages pour passer en live. Et aussi, j'ai vu récemment, en fait, il y a de plus en plus de contenu d'apostats, des lives, par exemple, Collectif Ex-Muse, Muse Ex-Muslima, Soleil Apostasie, Témoignage Ex-Musulman, Amir Apostat, Koufre FM, Apostat Kafir et j'en passe. D'ailleurs, je vous conseille d'aller les écouter, mais franchement, ces derniers temps, ils ont envahi YouTube. Après, bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours pas assez. Quand on voit le nombre de contenus de musulmans, des contenus pro-islam, ça nous encourage en fait à continuer à essayer d'élever la voix des apostats. Voilà. Donc n'hésitez pas à les checker, notamment le space qui a été remis sur YouTube pour le 22 août, la journée de l'apostasie, qui est sur la chaîne Koufra FM. Et franchement, écoutez surtout le passage de Majid Oukacha, parce qu'en fait, c'est un passage qui m'a vraiment inspiré, qui m'a donné envie de refaire des lives. Donc voilà, je me suis bougé le cul et on est là aujourd'hui. Et donc, parmi les projets que j'ai, donc voilà, je refais les témoignages, mais j'ai aussi envie de faire des nouveaux formats de vidéos sur YouTube, des nouveaux formats de live. Également, je reprends aussi un peu les publications sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, pour cet épisode du coup 8, ce 8e live, je vais accueillir un apostat que je connais depuis pas mal de temps. Et on avait déjà parlé de faire le témoignage sur ma chaîne. Mais malheureusement, c'était vraiment un moment où j'ai commencé le nouveau taf, etc. Donc je suis très content de pouvoir faire ça aujourd'hui et de l'accueillir parmi nous. Je vais vous le présenter dans 2 secondes. Juste avant, j'aimerais juste vous dire que ma chaîne YouTube aussi commence à grandir. J'ai atteint les 500 abonnés. Je voulais vraiment remercier tous les abonnés de me soutenir, de regarder les replays que j'ai mis ces derniers temps. Ça me pousse à continuer. Voilà. Et du coup, mesdames et messieurs, je vous présente monsieur Charlie. Salut Nas, comment ça va? Salut Charlie, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Comme un dimanche. Je dirais pas le dimanche à Bamako, c'est le jour des fiançailles, mais voilà. Dimanche ensoleillé, on en profite, on se fait plaisir. Ouais, franchement, après une semaine de pluie, c'est cool d'avoir un peu de soleil, un peu de vitamine D. Ouais, tout à fait. C'est le retour des beaux jours, donc ouais, clairement. Il faut en profiter, il faut pas hésiter à faire des terrasses, à se faire des petits apéros, surtout en cette période de fin de Ramadan, tu vois, en pleine journée, ça fait plaisir. J'étais Dédicace à tous sûr les que t'allais dire musulmans. ça. Non, mais c'est ça. Du coup, bienvenue. Je suis très content de pouvoir faire ça, comme je disais au début. Enfin, après je ne sais pas combien de mois, on avait déjà parlé de faire ce live. Voilà, je suis ému
de pouvoir faire ça aujourd'hui, surtout avec ce nouveau décor. Donc, bienvenue au Café des Apostats. Avant, on était dans la taverne et maintenant, on est dans le café. Même s'il pleut là derrière, mais voilà, il y a une bonne ambiance. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, je trouve que c'est super, hein. Attends, ambiance cosy, jazzy, avec le petit feu au coin de l'âtre, la cheminée. Tu vois, l'ambiance un peu détente, chilling. Tu vois. Ah non, non, t'as fait les choses en grand, là. C'est fantastique. Appréciable au possible. Bah oui, c'est ça, hein. Et comme on est financé par Israël et tout, on va en faire encore plus pour essayer de, voilà, d'élever la voix des apostats. Mais malheureusement, c'est faux, hein. On est financé par personne. Je fais ça, j'occupe tous mes week-ends et les soirs après le taf à essayer de faire ça. Donc, voilà, je suis très content de commencer enfin à reprendre, enfin, de reprendre plutôt les lives après quelques semaines d'absence. Ouais, t'as tout mon soutien et tout celui de tous les apostats. T'inquiète, on est tous derrière toi. Donc, fonce, ce que tu fais, c'est très très bien. T'élèves la, enfin, tu donnes la voix à des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion en fait de partager leur expérience avec les autres. Donc, de tout cœur, je suis avec toi et on est tous avec toi. Donc, ouais. Bon, merci. Comme dirait Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà, tu vois. Exactement, exactement. Alors, merci beaucoup, ça m'encourage. Ben, du coup, avant de... Donc, bon, le principe de l'émission, je vais le rappeler parce que ça fait, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, ben, en fait, ça va être tout simple. On va avoir 5 thématiques. D'habitude, on les tire au sort pendant l'émission, mais là, je préfère... Qu'on les choisisse au préalable, comme ça on peut préparer un peu. Enfin, je donne l'occasion aux invités de préparer un peu et moi aussi de préparer également, hein. Donc, on a déjà choisi 5 thématiques et on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que ça t'évoque de positif ou de négatif pour chaque thématique? Voilà, tout simplement. Et du coup, avant d'attaquer cette partie, on va dire. Décryptage. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé ton apostasie, quel chemin t'as pris pour en arriver là, c'était quoi ton histoire avec l'islam, bref. Ouais. Qui est Charlie et qui est l'apostat Charlie? Surtout, où est Charlie? Et surtout, où est Charlie, c'est ça. Alors, je te remercie de me donner la parole, Nas. Alors, juste avant de commencer, en fait, à me livrer, j'aimerais quand même réaffirmer mon soutien aux femmes qui se battent en Iran contre le régime usurpateur théocratique totalitaire et qui cherchent à disposer pleinement de leur liberté, notamment contre l'imposition du port du voile. Donc, j'apporte mon soutien de tout cœur à la famille de Mahsa Amini, déjà dans un premier temps. Alors, ça va être un petit peu long, hein, avant que je commence vraiment à partager mon expérience avec les auditeurs, les auditrices. Donc, je tiens aussi à soutenir la chercheuse Madame Florence Berger-Blackler contre les personnes qui l'ont menacée de mort, et j'espère que le CNRS, en fait, il va être un peu plus courageux et qu'il va cesser sa prosternation contre le lobby islamique islamo-gauchiste, islamo-droitiste, islamo-centriste, islamo tout ce que vous voulez, qui a pris en fait vraiment le domaine de la recherche en otage, sous couvert de diversité, de vivre ensemble et d'égalitarisme, de relativisme en fait dans la valeur des positions. Et j'espère aussi que le gouvernement français et, par extension, l'Europe, en fait, ils vont affronter le danger islamique à la mesure du risque, en fait, qui fait peser sur la société. Je pense que c'est important de le dire. Alors, en termes de soutien, donc, je soutiens aussi Monsieur Chérif Gabeur. Certains et certaines le connaissent, d'autres moins, mais je pense qu'il faut mettre un peu de lumière sur la personne, en fait, qui, donc, c'est un ex-musulman aussi, donc, il cherche à fuir l'Égypte en raison de ses positions critiques vis-à-vis de l'islam. Et j'espère qu'il trouvera une porte de sortie et un soutien du côté du monde libre. Alors. Toujours dans le soutien, donc j'apporte mon vif soutien à Monsieur Saïd Jabel Khir. Donc c'est un orientaliste ou un islamologue, un journaliste algérien, donc qui a été récemment acquitté en fait suite à sa condamnation et à son emprisonnement complètement arbitraire et inquisitoire. La raison en est que la juridiction en fait en Algérie l'a condamné pour offense aux préceptes de l'islam. Donc en gros, enfin voilà, c'est complètement discrétionnaire. Donc j'apporte aussi mon soutien aux chrétiens d'Orient, dont on ne parle pas assez, qui sont victimes de cet islam qui cherche à effacer tout ce qui n'est pas islamique, ce même islam qui se présente comme victime d'autrui en fait dans les territoires où il n'est pas majoritaire. Donc
De façon générale, je soutiens tous les individus, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur genre, pour avoir refusé de se plier aux préceptes de l'islam, de quelque façon que ce soit, et qui sont victimes d'oppression à cause de ça. Et je soutiens ceux et celles qui dénoncent, critiquent et combattent la barbarie islamique, qui n'a d'islamique que son comportement orwellien dans toutes ses dimensions. Donc ceci étant dit, donc on va pouvoir en fait passer dans la partie qui concerne donc ma bio. Alors en fait, tu vois, moi, je m'excuse à l'avance pour les auditeurs et les auditrices parce que ça va être un peu long. Mais je t'excuse pense que c'est pas, c'est ton jour. Ah ok, d'accord. C'est ton interview, t'es la star de l'interview. Mais, ok, d'accord. Voilà. On va faire comme si. Alors donc moi je suis né dans une famille non musulmane, non croyante. Je suis d'origine afro-subsaharienne. Donc si tu veux, mes parents en fait ils ont jamais cherché à m'inculquer quelque éducation religieuse que ce soit. Quelle que soit en fait la religion qu'ils avaient pu hériter de leurs propres parents. Donc on n'a pas eu en fait ce socle, tu vois, religieux qui est souvent présent en fait chez les gens qui sont musulmans, qui l'héritent, tu vois, ou qu'ils ne l'héritent pas forcément parce que ça peut être une autre religion, tu vois, dont ils peuvent hériter. Mon père en fait il a essayé de s'intéresser au christianisme mais il a fait des mauvaises rencontres. Par exemple, des francs-maçons et des personnes en fait issues d'une des branches du christianisme qui montraient beaucoup trop d'intérêt pour l'argent des fidèles et qui tenaient des discours qui plaisaient pas du tout en fait à mon père, enfin selon ses dires, tu vois. Ma mère, en fait, elle a jamais cru en Dieu ni en quelque divinité que ce soit. J'ai déjà eu plein de discussions avec elle. À chaque fois, elle me fait les mêmes réponses. Elle dit « Est-ce qu'il y a même un Dieu ?» Ouais, et ça, c'est un truc, elle est indéboulonnable là-dessus. Et pour avoir récemment discuté avec elle, en fait, elle trouve toujours le concept de divinité complètement farfelu. Alors, allez savoir pourquoi. Enfin, ça, c'est vraiment la disposition de l'esprit de chacun. Et on ne peut pas véritablement avoir une vue objective quand une personne nous fait ce genre de réponse. Donc, par contre, tu vois, mes parents, ils ont beaucoup insisté sur l'éducation scolaire. Fallait vraiment réussir à l'école et avoir des bons diplômes. Donc ils m'ont beaucoup mis la pression pour avoir des bonnes notes et obtenir un niveau minimal de qualification académique, à savoir que le baccalauréat c'est un impératif non négociable, tu vois, et qu'il fallait poursuivre un cursus général avec une spécialité au moins scientifique, donc les maths, la physique, la chimie, etc. Et ensuite des études dans le supérieur avec au moins un master, tu vois, qui, dans une branche qui te permet de trouver un métier rémunérateur. Comme ça, au moins, tu es sûr de te mettre à l'abri sur le plan financier en termes de trajectoire professionnelle. Donc si tu veux, l'idée derrière, en fait, c'est de faire en sorte que, comme je le dis, hein, tu sois suffisamment viable, et financièrement autosuffisant pour pas être un boulet ni pour l'État, ni pour tes propres parents, tu vois. Donc c'est une forme d'investissement sur le long terme, avec pas mal d'huile de coude, mais voilà, en général, ça porte ses fruits. Donc moi, en fait, j'ai grandi en France, en banlieue, dans les années 80. Si tu veux, à cette époque, j'ai pu voir progressivement le départ de ce qu'on appelle, ça c'est plus sociologique hein, et sociétal, de ce qu'on appelle les Français de souche, tu vois, donc on peut les qualifier comme autochtones, donc qui appartenaient en fait, si tu veux, à une espèce de mélange entre la couche inférieure de la classe moyenne et le prolétariat. Et avec ce départ, j'ai été témoin de l'arrivée massive des populations issues de l'ancien empire colonial français, donc les pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, ancienne Indochine, etc., etc. Et je rajoute en fait quelques populations des Balkans et des vestiges de l'Empire ottoman. J'ai eu beaucoup d'amis en fait qui étaient originaires du Maghreb, pas mal de gens d'origine marocaine et algérienne, et on se fréquentait régulièrement et j'aimais beaucoup en fait ce qu'ils me faisaient découvrir de leur culture, donc la gastronomie, la langue, pour ceux qui allaient à l'école arabe, enfin l'école coranique, parce que souvent on l'appelle l'école arabe mais c'est que l'école coranique, et les traditions vestimentaires et orales, tu vois, donc notamment la darija, le tefelhit, etc. Donc alors, on commençait à rentrer dans le vif du sujet, donc moi quand j'étais petit en fait je faisais beaucoup de rêves, et en particulier, je vivais beaucoup en fait de ce qu'on appelle les secousses hypniques en plein sommeil, et aussi qu'on dénomme aussi les myoclonies hypnagogiques, si tu veux. Ça correspond en fait à la sensation quand tu rêves de chuter de très très haut en continu, sans toucher le sol. Et cette sensation en fait donne à la fois un effet de vertige et c'est assez inconfortable en fait au moment du réveil. Tu vois. Okay. Si tu veux, en fait. Il y a pas mal de revues scientifiques qui ont expliqué ce que c'est la myoclonie hypnagogique. Donc, il y a plusieurs dénominations. Myoclonie d'endormissement, secoupe hypnagogique ou sursaut d'endormissement. Pour te donner une définition rapide, donc on dit qu'il s'agit d'une contraction soudaine, brève et simultanée du corps entier ou d'un ou plusieurs segments du corps se produisant à l'endormissement. Elle peut être accompagnée d'une hallucination, souvent somesthésique, avec l'impression de tomber dans un trou. Donc, elle peut être unique ou survenir en salve. Et dans certains cas, être à l'origine d'une insomnie avec trouble de l'initiation du sommeil. Donc la prévalence donc, est à peu près de 60-70% dans la population générale, et ça affecte toutes les âges et tous les sexes, tu vois, enfin les deux sexes. Ah ouais. Donc ouais, c'est quelque chose de très, ça arrive à pas mal de personnes. Hein. C'est 70% de la population mondiale, tu vois, ressent ça en fait en période de sommeil. Et en parallèle, en fait, il m'arrivait de plus en plus régulièrement de m'interroger sur le sens de la vie, de pourquoi l'homme en fait est-il sur Terre, où est-ce que l'humanité allait, et moi-même où est-ce que j'irai après ma mort.
Et à cette époque, en fait, j'ai rencontré un Turc qui faisait partie, en fait, mais ça, je l'ai appris bien plus tard, de la confrérie des Souleymanchi. Donc ça, je vais développer un peu, fondée après sa mort par Süleyman Hilmi Tunahan. Donc, en fait, je m'entendais très très bien avec ce Turc. On marchait vraiment main dans la main, et sa mère disait même de moi, si tu veux, que j'étais son fils noir. Et bon, bref, il avait l'habitude, en fait, d'aller dans une de leurs mosquées, les mosquées turques, en fait, qui sont en fait des bâtiments qui hébergent des salles de prière. C'est pas la mosquée flamboyante comme certains pourraient se l'imaginer en Turquie, ou tu sais, les représentations dans l'Empire ottoman, les grandes mosquées avec les minarets. C'était juste une salle de prière, en fait, dans un terrain qu'ils avaient acheté. Donc, pour information, en fait, les Souleymanchi, en fait, font partie du madhhab hanafite. Donc, je rappelle qu'il y a les quatre madhhabs: hanafite, chafiite, malikite et hanbalite. Et en fait, que cet ordre, donc des Souleymanchi, c'est une branche dérivée de la Naqshbandiya. Donc la Naqshbandiya, c'est un ordre soufi qui est présent principalement au Pakistan, en Turquie et en Inde. Le Turc et moi, en fait, on se fréquentait vraiment beaucoup. Et des fois, j'allais même chez lui lorsqu'il habitait chez ses parents, et on se rapprochait de plus en plus. Et je me rappelle alors qu'un été, il était revenu de vacances de Turquie, mais en fait, il s'y rendait avec sa famille fréquemment chaque année, pendant la période estivale. Et en réalité, mais ça, c'est quand j'ai franchi le pas, en fait, qui m'a mis dans la confidence, il est allé pour apprendre la religion dans leurs nombreux instituts islamiques qui étaient affiliés, en fait, à leur ordre soufi. Donc, ils y apprenaient le Coran, les hadiths et aussi les croyances, en fait, de leur propre tariqa, tu vois, la tariqa des Souleymanchi. Donc, lorsqu'il était revenu de vacances, je parlais avec lui de beaucoup de choses. Je savais qu'il était musulman, mais je ne m'intéressais pas vraiment à ce qu'il faisait en termes de pratique. Et je me rappelle encore de son visage qui était vraiment galvanisé par son envie de me convertir et les silences qui trahissaient en fait ses introspections à répétition sur comment en fait il allait trouver la bonne méthodologie pour me convertir à l'islam. Et après un de ces longs discours sur comment la Turquie c'était trop bien pour les vacances, et au passage, tu vois, il balançait quelques pichenettes dans la narine à la France qui était à ses yeux inférieure à son pays d'origine. Il m'a dit, est-ce que tu crois en Dieu? Et moi, en fait, j'ai répondu un peu naïvement, du tac au tac, j'ai répondu oui. Alors qu'en fait, dans ma propre réflexion, j'étais même pas allé très très loin pour me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'on croit en Dieu, tu vois? Et il m'a dit, convertis-toi à l'islam et répète après moi. Et moi, j'ai pas en fait objecté, j'ai pas réfléchi, j'ai pas vraiment critiqué en fait ce qu'il m'a dit. Donc, il m'a fait prononcer la shahada, tu vois. Et donc de mon côté, en fait, après avoir prononcé la shahada, donc j'ai pas ressenti quoi que ce soit. Tu vois. Certains, en fait, ils essaient de te faire croire que ouais, tu prononces ça, tu te sens mieux. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, t'as une nouvelle énergie qui traverse ton corps, en fait, absolument rien, tu vois. Et aucune amélioration physiologique, ni mentale, ni spirituelle, absolument rien. Et après ça, donc il m'a dit c'est bon, ça a été musulman. Il avait l'air tout content, mais il a pas exulté non plus. Tu vois, il a pas jubilé, il a pas sauté aux joies. Enfin bref. Et j'ai appris en fait qu'il s'est vanté de son action, tu vois, parce que tu sais, c'est très très méritoire en fait pour un musulman de faire convertir une personne, c'est en termes de ce qu'on appelle les hasanat, tu vois, auprès des gens, parce qu'il se dit tout de suite, ouais, voilà, au paradis, je serai plus en termes de niveau, quoi. Et donc il s'est C'était un vanté bon auprès deal, de... quoi. Ah ouais, non, mais il pensait vraiment avoir fait le jackpot, tu vois, pas all-in, quoi, si tu veux, en termes de paris. Et il s'est vanté en fait auprès de des gens qui faisaient partie de notre entourage en commun. En fait, des personnes que je connaissais, mais que je fréquentais pas plus que ça, ils sont venus me voir en me disant bienvenue parmi nous, alors qu'ils n'étaient pas présents quand j'ai prononcé la shahada, tu vois. C'est ça faisait genre bienvenue, t'es entré dans le cercle, tu vois. Et donc quelques jours après ça, donc il m'a dit. Quand j'ai dit en fait à mon père que tu t'étais converti, il m'a commandé un livre directement de Turquie pour toi. Enfin, entre parenthèses, j'ai jamais vu ce livre en fait depuis après qu'il m'ait dit ça. Et un jour, il m'a emmené chez lui, il m'a présenté à son père. Tu vois, je me rappelle encore de la scène. Tu sais, moi, j'arrive, tu vois. Donc, j'ai prononcé la shahada il y a quelques jours. Et moi, je dis bonjour à son père, tu vois. Et son père, il me répond, ouais, ça, faut dire salam alaikum. C'est les koufars qui disent bonjour. Tu vois, déjà pour l'entrée en matière, c'est top en termes de tact et de diplomatie. Et donc il m'a dit ça avec un grand sourire, tu vois, parce qu'il était content, son fils il a converti quelqu'un, donc ça veut dire que lui il a bien enseigné la religion à son fils, etc. etc. Donc moi sur le coup ça m'a un peu gêné, tu vois, qu'il dise ça, mais j'ai réussi à passer outre, tu vois, je me suis dit bon, ouais, c'est bon, c'est pas très très grave. Et puis en fait mon ami, il m'a montré comment faire les prières selon leur propre madhab, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, pour information, les Turcs, la plupart des Turcs, hein, la plupart des Turcs sont du madhab hanafite, c'est très très rare que tu vas en trouver qui sont d'un autre madhab. Donc ils ont leur propre calendrier de prière, tu vois, qu'ils suivent sur le site web de leur groupe Fazilet Takvimi. Tiens, je vais t'envoyer en fait le site web là, comme ça tu vas voir. Hop, voilà. Et Ça marche. donc
Donc je m'attarde pas sur les détails des horaires de prière parce qu'on sait qu'en France, tu sais, le débat, il fait toujours, ça relève toujours lire en fait au sein des communautés ethniques musulmanes selon qu'elles suivent l'Arabie Saoudite, leur pays d'origine, par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, le Pakistan, etc. Officiellement, il n'y a pas de problème de dissension entre les musulmans. Seulement, certains vont dire la divergence, c'est une rahma, blablabla. Après, officieusement, en privé, quand tu parles avec eux, tout le monde se jette la pierre. Ouais, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Enfin, bref. Rentre pas dans ce détail-là parce que enfin, tout le monde le sait. Tu vois. Et donc, ils calculent leurs horaires selon l'anticipation, donc sur une méthode basée sur le calcul scientifique et pas l'observation. Et ils fustigent officieusement, verbalement, les pays du Maghreb, ça faut le savoir, d'Afrique subsaharienne aussi, et les pays arabes pour des raisons historiques, en fait, qu'on pourra citer plus loin. Alors, juste pour rappeler mon premier ramadan, tu vois, mon organisme, en fait, il a vraiment été choqué par le fait d'être privé aussi longtemps de nourriture et de boisson, parce que c'est voilà, c'est la première fois que tu dois gérer une privation, tu vois, alimentaire. Et j'ai senti, en fait, les effets de l'affaiblissement sur le plan métabolique. Tu veux perdre d'énergie, irritabilité, tu sais, la fameuse irritabilité là qu'on voit au début du ramadan, toutes les personnes en fait qui jeûnent, tu vois, tu leur poses une question, limite ils t'envoient à bouler et tout, ou bien les mecs, au moindre truc, ils partent au quart de tour, surtout qu'on sait hein, que là, en général, les populations qui sont issues des pays musulmans, ils sont assez sanguines, tu vois. Et donc le manque de réactivité aussi. Et en fait, je devais me débrouiller parce que moi, j'étais tout seul en fait à m'être converti dans ma famille, tu sais, ma famille pas religieuse pour un sou, tu vois. Et donc, je devais me débrouiller tout seul pour stocker de la nourriture, anticiper l'heure de l'iftar, pour manger suffisamment pour pas avoir faim le lendemain. Parce que j'étais incapable à ce moment-là de me lever à 30-40 minutes avant l'heure en fait d'arrêter de manger pour prendre un repas qui ferait office de réserve énergétique, tu vois, à cette époque-là. Mais en fait, le truc, c'est que mon organisme s'est habitué très très vite et me priver de nourriture, ça a plus été d'aucune difficulté pour moi. Et cela, en fait, si tu veux, ça me faisait même rire parce que j'avais constaté que ça avait aucun impact sur des trucs comme les performances sportives ou la cognition. Mais en termes d'équilibre alimentaire, c'est vraiment une catastrophe, tu vois, le ramadan en tant que tel. Là, on est dans le vif du sujet, si tu veux. Donc, manger tard en grande quantité, je te parle même pas de l'indice glycémique quand tu remplis ton estomac en moins de 5 minutes de toute une série de trucs avec de l'eau et tout. Laisse tomber. Et en plus, ouais, très très vite, donc ça permet pas du tout de maigrir. Donc, ceux qui disent qu'ils ont maigri pendant le ramadan, soit vraiment ils mangent pas beaucoup en fait à l'heure du tour, soit ils ont un métabolisme, je sais pas, hein, ils ont peut-être 3 estomacs, j'en sais rien. Et donc, les défenseurs du jeûne du ramadan qui auraient des pseudo-vertus thérapeutiques, ils se trompent sans vouloir être méchants dans les grandes largesses. Dans les grandes largeurs, pardon. Donc, d'ailleurs, en fait, tous mes amis musulmans à l'époque, en fait, ils me confirmaient verbalement qu'ils prenaient tous du poids pendant le ramadan. Tu vois. Donc, ça, c'est un sacré pied de nez, en fait, à ceux qui voudraient trouver des vertus alimentaires. Alors, concernant la prière, si tu veux, j'ai pas été très assidu, en fait, pendant de longues années. Des fois, je la faisais, des fois, je la négligeais. Et le ratio global, si tu préfères, il est très, très en faveur de l'absence de prière. Longtemps, j'ai pas beaucoup cherché à apprendre davantage sur l'islam. Je me contentais d'écouter des contenus de prêches dans les mosquées, les mosquées caves, entre guillemets, ou bien les propos rapportés de certains de mes amis. Et alors, faut savoir, hein, à ma charge, hein, que colporter, c'est la meilleure façon de mal apprendre. Donc, quand, par exemple, t'entends des gens qui racontent des trucs comme, je sais pas, le ramadan il peut pas durer 4 vendredis de suite, ou il faut faire ça comme ça, si tu manges avant en fait t'as coupé ton ramadan trop tôt, si tu manges après en fait aussi t'as perdu des bénéfices, enfin c'est la meilleure façon en fait de se planter. Bon bref, je suis plus concerné. Progressivement, j'ai acheté quelques livres en fait de façon vraiment éparse, mais rien de profond en fait en termes de pratique ni de, tu vois, même de barrières d'abstraction, tu vois, sur le plan des connaissances islamiques. En fait, c'est là en fait où on peut comprendre que la plupart des musulmans, en fait, ils sont des musulmans ignorants de leur propre religion et lorsqu'ils en apprennent dessus, donc sur l'islam, en fait, ils sont confrontés à un choix important. T'as le fait d'accepter les choses qui sont donc à l'ère moderne complètement condamnées et condamnables parce que voilà, il y a des principes qui sont en désaccord parfait avec ce qui se passe dans les sociétés démocratiques. Donc ça va les amener très probablement à s'isoler via des mécanismes de radicalisation progressifs, hein, bien sûr, ou bien en fait ils vont devoir tout rejeter et quitter l'islam parce qu'il y a des choses qui sont juste sur le principe de la morale inacceptables. Et alors, pour en revenir en fait au récit, donc au bout de plusieurs années, le Turc et moi... La dissonance cognitive... Parfaitement. Ouais. Parfaitement, ouais. En fait, t'as le conflit interne où tu te dis, ouais, mais l'islam, il me demande de faire ça, mais attends, moi, je vis en Occident, c'est juste n'importe quoi. Pourquoi, oui, surtout quand t'es en Occident, hein. C'est encore pire. Ouais. Et donc, t'as vraiment en fait un conflit de conscience qui
qui se s'impose à toi et tu peux pas en fait continuer à rester faire de l'entre-deux. Ça tu peux tenir sur le moyen, enfin le court moyen terme, mais à long terme en fait tu vas te rendre compte que ça tient pas la route en fait. Et il faut être à un moment, il va falloir que tu sois entier, tu vois. Même les musulmans qui font semblant, tu sais, par exemple, moi j'en connais des musulmans qui ils disent qu'ils boivent de l'alcool mais ils mangent pas de porc. C'est ce genre de bricolage comportemental, tu vois, ou bien coupable, les mecs coupable. J'aurais ouais, fait comme ça mais aussi. Non, mais enfin, je jette la pierre à personne, mais ce que je veux dire, c'est que même du point de vue de Oui, bien l'islam, sûr, c'est bien sûr. n'importe quoi, tu vois. Donc, Non, mais je savais que c'était n'importe quoi en plus, tu vois. Mais voilà, quoi. mais tu vois, c'est vraiment les acrobaties comportementales pour des raisons voilà, qui appartiennent à chacun. Hein. Mais dans l'idée, à un moment, il faut vraiment que tu coupes tu coupes la branche et que tu dises, vas-y, soit je passe d'un côté, soit je passe dans l'autre. Mais le problème, c'est que Ouais. quand, par exemple, tu dis que tu veux entièrement appliquer l'islam, tu peux pas rester en Occident. Et ça, la plupart le savent, tu vois. Même les C'est musulmans, ils ça. le disent, parce que si on commence à parler du concept de la hijra qui est obligatoire, que c'est interdit pour un musulman de résider dans une terre non musulmane, il y en a qui vont dire oui, mais attendez, la terre d'islam, voilà, c'est une terre où en fait le nom de Allah, il est prononcé. Non, non, arrêtez les gars. Voilà, quand vous êtes en Occident, la jurisprudence, elle n'est pas islamique. Les lois, tout ce qu'il y a, c'est pas islamique. Le comportement social, c'est pas islamique. Les mœurs sont pas islamiques. Donc, venez pas nous raconter que vous pouvez à la fois être musulman et démocrate, ou musulman et laïque, ou ça. Ça, c'est des emprunts, en fait, au judaïsme. Et il faut laisser le judaïsme tranquille. Ça, c'est un conseil que je donnerais aux musulmans. Arrêtez de jalouser les juifs. Arrêtez de vous inspirer des juifs en croyant que parce que ce sont des monothéismes qui ont des racines communes, vous pouvez, en fait, vous approprier certains de leurs concepts intellectuels et les transférer sur l'islam. Ça marche pas comme ça. L'islam, en fait, il a son propre socle de concepts intellectuels et vous devez les appliquer quand vous êtes musulman, bah, entièrement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui dit, en gros, quand vous entrez en religion, vous devez entrer entièrement. C'est Donc, ça. ceux qui sont en Occident, je suis désolé pour vous, mais vous êtes dans le shirk. Donc, cassez-vous de l'Occident, entre guillemets, si j'avais un conseil à vous donner. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse remplie de quelques petits uppercuts, tu vois, aux musulmans qui croiraient qu'ils pourraient continuer à dribbler entre les deux. Mais bon. Alors, ceci étant dit, donc au bout de plusieurs années, le Turc, en fait, on était vraiment, et moi, on était vraiment proches, au point, en fait, il m'a demandé une somme d'argent conséquente et que je lui ai prêté. Ça, c'est mon Ah grand, ouais. grand, grand regret. Malgré le refus catégorique et unanime des gens à qui j'avais soumis ce cas d'espèce, en fait, avant de lui prêter, j'ai vraiment posé la question à plein de personnes. Mais si tu veux, mon islamité, elle a surpassé en fait ma rationalité. Ça veut dire que ma rationalité me disait, il y a un truc bizarre, tu vois, comme on dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, ou tu vois, où il y a un loup. Et mon islamité m'a dit, non, 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 mais tu dois en fait aller au-delà de ton sentiment personnel, et tu dois faire fi en fait de tes envies, et comme c'est un musulman, tu dois l'aider. Et ça, je m'en suis bien mordu les doigts. Et donc je lui ai prêté. Et c'est là en fait que tout s'est accéléré. Donc le type, une fois que je lui ai prêté, donc je sais pas ce qu'il a fait avec, mais en tout cas, quand j'ai voulu commencer à le récupérer, il a fait le mort. Et j'ai dû le Ah courir ouais. après, littéralement, même pour le moindre truc, hein, et bon, bref, pour récupérer ma créance. Donc, au point où j'ai été parler à ses parents et j'ai expliqué la situation. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que un jour, je vais chez lui. Je voulais parler avec son père, parce que, voilà, pour que son père il lui mette un coup de pression, mais je suis malheureusement tombé sur sa mère. Et après lui avoir tout raconté, tu sais, elle m'a dit un truc du style, mon fils, c'est quelqu'un de bien. Mais il fréquente des mauvaises personnes. Il va vous rendre votre argent, même si ça va prendre du temps. Le truc, c'est que je sais, en fait, à force d'avoir sondé le body language des gens, tu vois, j'ai un peu d'expérience sociale, je sais que les mères protègent toujours leurs enfants, même si c'est les pires des criminels. Oui, c'est Tu ça. vois, tant que les enfants ne s'en prennent pas directement à leurs parents, les mères, en fait, tu sais, tu as ce qu'on appelle le comportement de la mère louve, tu vois. Son fils, moi j'ai vu des mecs, pas des criminels, tu vois, mais des menteurs patentés. Leurs parents disaient, mon fils, il ment jamais. Alors que son fils, il y a 20 secondes, il vient de raconter un mensonge éhonté, tu vois. Et ça, c'est parce que tu as l'aspect viscéral du lien biologique qui fait que ta raison, elle est complètement occultée quand tu es un parent et que tu défends tes enfants, tu vois. Surtout, tu as ce qu'on appelle, et ça, c'est Ibn Khaldoun qui le dit dans son livre Al-Muqaddimah, donc l'introduction hein, du livre Les Prolégomènes, qui dit qu'en fait, donc lui, il observe sa zone géographique, tu vois, sachant entre guillemets que Ibn Khaldoun, c'est un peu le père de la sociologie moderne pour certains. Oui. Donc il dit en gros que la Assabiyya, tu vois, dans certaines zones du globe où tu as des tribus, des peuples, elle est très très forte. La Assabiyya, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la notion de clan en fait. Donc ça veut dire que l'intérêt du clan, il surplombe la raison, il surplombe la justice, et l'intérêt du clan correspond à une nouvelle forme de justice, tu vois. C'est la raison pour laquelle, tu vois, par exemple, tu as des gens
qui vraiment vont défendre leurs enfants, même si le, voilà, le mec, ça peut être un terroriste, il a posé des bombes et tout. Son père, il va dire non. Il va dire non, mon fils, il est, tu vois, il est blanc comme neige. On va lui montrer les vidéos. Il y a le visage de son fils, il fait un smile avec une kalachnikov. Il explose la tête de quelqu'un. Le parent, il va nier, tu vois. Parce que, comme tu l'as dit précédemment, il y a la dissonance cognitive et tu as aussi le fait que les gens, en fait, n'acceptent pas de voir que leur propre sang, c'est issu de leur propre sang, leur chair, la chair de leur chair, elle est capable, en fait, de se comporter comme le pire des criminels, tu vois. Donc, ça, il faut le savoir. Et, donc, et alors, sachant pour... que, juste pour dire un truc par rapport à ça, sachant que, à l'inverse, si t'es apostat ou quoi... Ah oui, par contre, oui, dans ce cas-là, ah oui, 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 tout à fait. Comme, là, par t'es exemple, pas alors, les mêmes... C'est là, pas... bizarrement, il n'y a plus d'asabiya, tu vois, là, il n'y a plus de notion de clan, il n'y a plus de notion tribale. Tu vois, en fait, que surtout dans le cadre islamique, alors déjà, que l'islam demande en fait à ce que tu aimes plus le prophète que tu aimes ta propre personne et tes parents et toutes les personnes de ta famille. Mais si tu renies l'islam, en fait, là par contre, tu t'es considéré directement comme un adversaire direct donc, du clan familial, mais aussi de toute la umma. Tu vois, et là, tu vois, bizarrement, ils ont la capacité en fait de trôner et d'appliquer toute une série de sanctions coercitives sociales, donc la pression du groupe. S'ils peuvent te déshériter, ils le feront avec plaisir. S'ils peuvent te retirer l'accès en fait à ta source de financement, si c'était eux en fait qui représentaient la source de financement, et s'ils peuvent même attenter à ta personne, ça veut dire violence physique, ou bien par exemple si t'es pas majeur, voilà, ils vont t'isoler, ou tu peux te faire kidnapper et renvoyer dans ton pays d'origine. Pour t'es si bien en fait que t'avais un pays d'origine qui n'était pas le pays là où tu résides actuellement. Donc oui, comme tu le dis, dans ce cas particulier, donc dans le cas de l'apostasie, l'apostasie coûte cher sur le plan social. C'est une mort sociale, c'est un ostracisme, t'es frappé d'un anathème. Et pour eux, c'est tout à fait normal parce que pour eux, l'islam est plus important que la famille, tu vois. Et ça, c'est grave, ça. Il faut c'est le dire, tu vois. Ouais. C'est catastrophique parce que ça veut dire qu'en fait, les gens font des enfants pour l'islam, tu vois. C'est juste le concept, plus orwellien que ça, plus Ray Bradbury Fahrenheit 451, bah moi je connais pas, tu vois. Enfin après il y en avait, on peut en citer d'autres, mais on va pas rentrer dans cette branche en fait de l'analyse. Donc oui, quitter l'islam ça coûte, et l'islam demande aussi de ne pas être rationnel. Alors pour reprendre dans le récit, donc moi j'ai patienté en fait avec ce gars-là, et j'ai même discuté avec lui pour qu'il commence à me rembourser, même progressivement, tu vois, et ça venait toujours pas. Mais quand je te dis ça venait toujours pas, c'est le mec, même pas un euro, tu vois. Et ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû passer par un huissier de justice, en fait, avec une procédure administrative qui était un peu acrobatique, mais j'ai réussi à récupérer à peu près entre 40 et 60% de ma créance. Mais si tu veux, au-delà de la créance qui est importante, hein, tu vois, il y a le fait d'avoir vu le véritable visage, en fait, de ce que je considérais comme être mon pote, dans un premier temps, et mon frère de religion, tu vois, entre guillemets. Et c'est là où tu vois que les musulmans, ils ont vraiment un problème avec l'argent. Et je pense que c'est... Alors, l'être humain, en général, il a un problème avec l'argent, mais les musulmans en particulier, tu vois, ils ont vraiment, vraiment un problème avec l'argent. Tout simplement, je ne veux pas te citer le hadith, hein, qui dit, si tu veux apprendre à connaître une personne, il y a trois façons. Tu voyages avec lui, tu fais une transaction financière avec lui, ou tu vis avec lui ou elle, tu vois. Voilà. Donc, celui-là, il est très, très connu, hein, donc je n'ai pas besoin de le rappeler. De toute façon, les musulmans, ils le savent et ils ne l'appliquent jamais. Donc, voilà, charge à eux de s'occuper de leurs affaires. Alors, je vais te raconter en fait un événement assez prémonitoire qui m'est arrivé avant qu'il m'escroque, et ça s'est présenté à ses produits avec son propre frère, tu vois. Donc en fait, il a un frère, voilà, c'est un de sa famille, que j'avais croisé un jour, tu vois, et son frère était en super bon terme avec lui, et donc son frère, hein, il m'a dit que même dans leur famille, en fait, ils s'escroquaient entre eux, ils s'escroquaient mutuellement, tu vois. Ah ouais. Mais il y avait toujours c'est le truc assumé et tout. Ah ouais, non, mais ils étaient complètement à l'aise de se s'arnaquer les uns les autres, tu vois. Entre frères et tout, vraiment, il n'y avait aucun souci. Et ils se jalousaient, tu vois. Et son frère, il m'avait... Donc à ce moment-là, quand je l'ai croisé, il m'a dit qu'il avait escroqué d'une somme conséquente du même ordre de ce que j'allais vivre, en fait, quelques jours plus tard. Mais moi, je n'ai pas vu, en fait, l'espèce d'avertissement funeste, tu vois. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le karma, tu as vraiment la providence. Tu sais, on ne va plus parler de Dieu, de tous ces trucs. Là, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que des fois tu as des petits indices comme ça, tu vois, dans ta vie, et tu dis, tu vois, et après, quand tu passes à côté, tu dis, ah, mais quand même, j'aurais dû faire un peu plus attention. Ouais, c'est ça. Et donc, il m'a dit qu'il avait déjà escroqué d'une somme du même ordre, en fait, de ce que j'allais vivre quelques jours plus tard. Donc, moi, j'ai pas fait gaffe à l'indice fort, tu vois, d'autant plus que c'était une période où je sondais les gens pour savoir. Et après coup, tu vois, je me suis dit, le gars, c'est son frère biologique,
Donc Ouais. si il arnaque les gens de sa propre famille, comment en fait il pourrait ne pas arnaquer quelqu'un qui n'est pas de sa Bah famille? oui. Ça tombe sous le sens maintenant, tu vois. Mais la réalité, c'est que quand tu es dans le tourbillon du truc, et que tu as tes émotions en fait qui te prennent pas en otage, mais en fait elles oblitèrent véritablement ta raison, ta rationalité, bah t'es pas capable en fait de prendre du recul. C'est pour ça des fois c'est vraiment important, tu vois, de quand il y a des événements comme ça qui ont l'air un peu à la croisée des destins, de prendre, faire un step back et de dire ouais mais attends c'est quoi le truc là? Il y a un truc qui va pas. Et il y a, tu sais qu'il y a même un proverbe turc qui dit, tu vois par exemple tu as une personne qui vient qui te demande de l'argent, et toi tu lui dis, tu dois lui répondre en fait si je te donne je suis une mauvaise personne. Si je te donne pas, je suis une mauvaise personne. Donc je te donne pas. Dans Au moins, je garde mon tous les argent. cas, je suis perdant, mais c'est ça. Voilà. Donc, enfin, voilà, c'était pour la petite anecdote. Et donc, ça a clairement brisé notre amitié et ça a laissé vraiment une trace indélébile en fait sur ma perception de lui, de toute sa famille, donc tous les membres de sa famille. Et honnêtement, ça a même un impact en fait sur comment je vois une partie des musulmans lorsqu'il s'agit d'argent, comme je te l'ai dit précédemment. Mais bon, j'ai été extrêmement naïf aussi et ma leçon de vie, c'est qu'en fait, il faut pas faire confiance, surtout quand il s'agit de religion. Quand il s'agit d'argent, et même des fois dans la famille, tu vois, on m'a rapporté des cas de figure de famille, mais tu te dis, on est dans un film, c'est une série, c'est pas possible. Ah Le oui. truc, c'est tellement improbable, mais ça se produit, tu vois. Ouais. Et faut savoir en fait qu'il y a de nombreuses personnes qui sont tordues dans leur esprit et qui ont toujours en fait une approche, quel que soit le contexte, opportuniste. Tu vois. Et ça, faut pas se dire oui, tu sais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est trop naïf, c'est beaucoup trop niais. Il faut quand même voir la plupart des gens, pas systématiquement, mais en majorité, surtout à l'époque où on vit, comme des adversaires en tout et pour tout. Malheureusement, moi, c'est mon constat de vie, c'est mon expérience de vie. Après, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Tu vois, il y a des gens bien sur Terre, mais de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens très, très douteux. Enfin, bref. Et donc une fois en fait pour t'expliquer, un jour je parlais avec un gars, j'étais à l'étranger et tout, et je lui ai raconté dans les grandes lignes, tu vois, enfin, voilà, sans rentrer dans les détails, que en gros les dettes d'argent, ça rompait les amitiés, tu vois. Et il m'a répondu, en fait, les gens qui demandent de l'argent, en fait, dès qu'ils l'obtiennent, ils pensent de la façon suivante. Ils se disent, si lui ou elle, il a les moyens de me prêter, alors il a les moyens en fait de me De donner. continuer de vivre, ouais, c'est ça. Ouais, donc je lui rends pas son argent, même si je lui ai juré devant Dieu ou la tête de mes enfants ou quoi que ce soit, Ouais. devant un totem, devant tout ce que tu veux, que j'allais le faire, tu vois. Et c'est là où en fait où j'ai compris la mécanique de l'esprit de ces personnes-là, tu vois, dont le Turc faisait partie. Tu C'est ça. vois. Donc Juste parce que je viens d'y penser, mais moi, pareil, j'avais une pote qui me demandait assez régulièrement de l'argent parce que je sais qu'elle était en galère, tu vois. Donc je lui prêtais, tu vois. Même si moi j'étais étudiant à l'époque et tout. Et quand j'ai commencé à taffer, elle m'a demandé une plus grosse somme, tu vois. Et je lui prêtais comme d'habitude. Sauf que là, comme c'est une plus grosse somme, bah, en fait, je m'attends forcément parce que les autres fois, en fait, je disais plus rien. En fait, je lui prêtais, bon, voilà, 50 balles et tout, ça passe, tu vois. Mais là, c'était une plus grosse somme, c'était plusieurs centaines d'euros. Et en fait, voilà, juste, elle n'en parlait plus. Elle continuait de me parler, mais sans jamais aborder le sujet, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté de lui parler. Et jusqu'à aujourd'hui, elle essaie de me dire, Nassim, pourquoi tu parles plus depuis tout ce temps, etc. Tu vois, moi je veux qu'elle s'en rende compte toute seule, mais voilà, aucun. malheureusement, en fait, si tu veux, dans la psychologie de l'être humain, tu sais, c'est ça qui est intéressant dans les ouvrages de psychologie, les revues de psychologie, quand tu étudies en Ouais. fait la personnalité humaine, en fait, il y a un certain nombre de garde-fous qu'il faut prendre quand tu discutes avec les gens. Bon, moi, je te dis ça comme ça t'apporte rien maintenant, tu vois. Mais je parle à tous les auditeurs et les auditrices. Vraiment, en fait, il y a un truc, l'être humain et l'argent, enfin, c'est pas pour rien que tu vois, t'as des guerres, t'as des gens, des familles qui te détruisent. Ah oui. Mais parce qu'en fait, t'as des gens. Ils sont incapables en fait d'affronter leur propre, si tu veux, vacuité en termes de comportement. Ça veut dire ils n'ont pas la courtoisie, la correction quand tu leur rends service de dire merci. Il y a des gens quand dire merci ça leur fait mal à l'intérieur, ça les brûle de l'intérieur. Tu vois, ou ils n'ont pas la capacité, l'humilité quand par exemple tu vas L'humilité leur prêter de surtout, ouais, l'argent, c'est ça. tu vois, de se dire non mais déjà là j'ai rabaissé ma dignité en fait en demandant de l'argent à une personne de mon entourage. Tu vois, parce qu'il faut savoir que normalement quand tu as besoin d'argent, les premières personnes que tu dois voir, c'est les gens de ta famille, tes ascendants. Donc tu vas voir tes parents. Tu vois. Mais c'est important de comprendre qu'il y a des gens, aller voir leurs parents pour dire ouais j'ai besoin d'argent, c'est se rabaisser à un niveau où t'as pas idée, parce qu'il y a des gens qui ont un ego mais monstrueux, tu vois. Donc ils se disent je demande pas à mes parents mais je demande à mes potes. Ouais mais si t'as pas le courage d'aller voir tes parents pour demander de l'argent quand t'es en galère, et que tu vas voir tes potes. Parce que tes potes, tu dis, ouais, tu peux compter sur eux.
il y a un truc qui va pas dans ton esprit, tu vois. Et s'il y a un truc qui va pas dans ton esprit quand c'est par rapport à l'argent, il y a de très fortes chances que tu ne rentres jamais ta créance, tu vois. Et ça, tu peux pas le comprendre en fait si tu l'expérimentes pas, parce qu'avec des mots, ça suffit pas en fait pour vraiment ressentir la sensation. Et ce que tu dis, c'est complètement évocateur, tu vois. Et ça touche toutes les. C'est pas un truc propre aux hommes ou propre aux femmes. C'est vraiment, quand je dis la structure de l'esprit de la personne est quelque chose qui est lié en fait à l'ego et la capacité en fait d'être humble et modeste et de reconnaître, d'être, on va dire, vraiment reconnaissant, tu vois, ne pas être ingrat. Et le truc de l'argent, c'est le test par excellence, tu vois. Même pour 20 euros, tu vois. Il y a des gens qui se disent, comme je te l'ai dit, hein, à partir du moment où tu leur prêtes l'argent, ils considèrent que tu as fait un don en fait à l'humanité et en fait, ils considèrent que c'est toi qui leur dois quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des gens, même tu vas crever la bouche, enfin, ils vont crever la bouche ouverte, malheureusement. Il faut pas les aider parce qu'ils doivent apprendre par eux-mêmes, par ce truc qui leur brûle de l'intérieur, qu'ils doivent arrêter de faire ça. Mais souvent, en fait, ils arrêtent pas. Donc, moi, tu vois, il y a des potes, des fois, ils me sont venus me voir après cette histoire. Je leur ai dit, tu sais quoi, tu veux de l'oseille? Pourquoi tu vas pas voir tes parents? Et là, pas de réponse. Et après, j'ai dit, bah, tu sais quoi, va voir la banque. Ils vont t'appliquer un taux d'intérêt bien comme il faut. Ils vont te défoncer, tu vois, les abattis. Et puis là, tu vas réfléchir à deux fois, tu vois. Après, bon, ça rompt des amitiés, tu vois. Mais je vais te dire un truc. Le temps que toi, moi, tout le monde, on passe, en fait, à travailler, tu vois, suer comme pas possible, t'as des gens qui viennent comme ça et ils te demandent. Et en plus, ils ont l'outrecuidance de pas, en fait, te rembourser et de croire que tu leur dois, enfin, qu'ils te doivent rien. De pas Je suis désolé. le rembourser et aussi de faire comme si il n'y avait pas ce prêt en fait, tu vois, de faire comme Oui, si complètement il s'est rien effacer passé. la dette, tu vois. Ouais, ils considèrent, ils sont comme le FMI, tu vois. Ils effacent la dette et Exactement. puis ils doivent plus rien. Et à la limite, c'est toi qui dois leur dire bonjour en premier et tout, tu vois. Et il y Plusieurs a des fois je gens me qui sont dis, malheureusement. plusieurs fois je me dis, mais pourquoi je lui dis pas, tu vois? Après je me suis dit, mais non, en fait, je vais juste laisser, juste pour en faire une expérience sociale, tu vois. Tu veux, moi, alors, si je peux me permettre de donner mon avis. Je pense que c'est ta courtoisie et ta bienséance qui fait ça. Et il y a un peu de gêne aussi, parce que tu dis Ouais, que t'as pas aussi, envie de passer et ton ça temps me gêne, tu d'amitié. vois. Moi aussi, Ah ouais. je suis comme ça, tu vois. Mais il y a des moments. Enfin, moi, j'ai appris, c'est bon, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que si je donne, j'attends rien en retour. Donc je donne, c'est un don, tu vois. Vraiment, voilà. Je cherche pas à faire une déductibilité fiscale ou un truc comme ça. Ouais. Mais si je prête, maintenant, je dis, bah, d'abord, tu veux que je te prête, tu me signes un truc. Prêteur sur gage, contrôle d'huissier. Tu me donnes voilà, tes coordonnées bancaires, tu me donnes ta carte d'identité, tu me donnes la mensuration de ta femme, comme ça, voilà, je prends ta femme en hypothèque, tu vois. Et comme ça, on est sûr que la personne, elle va réfléchir deux fois, tu vois. Après, tu peux m'insulter de crevard, moi, tu sais, les mots, ça me fait quasiment plus rien, tu vois. Donc, Ouais, voilà. c'est Mais ce que ça. je veux dire, c'est que je pense qu'il y a aussi ce problème de cet excès de courtoisie dans la société pour des choses en fait où il faut pas être courtois. Des fois, il faut y aller à la sulfateuse, au rouleau compresseur, parce que sinon c'est trop facile, tu vois. Et il y a des gens qui surfent là-dessus. Les escrocs notoires et tout ça, ils savent que en face, en fait, il y a un certain niveau de gêne et ils en profitent. Et c'est comme ça que c'est leur fonds de commerce. Donc ouais, non, mais je te comprends tout à fait, tu vois. Maintenant, chacun est libre de ses choix, mais après, quand tu sais que la personne ne va jamais te les rendre, il faut l'écarter de ton cercle parce que c'est des gens, c'est des Bah, c'est ce que parasites. j'ai fait. Hein. C'est ce que j'ai Ouais, fait. non, mais t'as été. Enfin, selon moi, je Oui, ne fais bien que sûr. partager mon avis avec toi. Non, mais je l'ai Et fait t'as eu tout la seul. meilleure des réactions. C'est ça. Ah, ok, bah voilà. Donc, voilà, comme je te disais, le gars, il disait en gros, si il a moyen de les prêter, il a moyen de me les donner. Donc, pendant plusieurs années, en fait, j'ai rongé mon frein, tu vois. Et j'ai coupé contact avec lui. Et jusqu'à ce qu'un jour, en fait, de façon complètement soudaine, voilà, il se rapproche de moi. Donc, entre-temps, comme je te dis, j'ai récupéré une partie de ma créance, pas l'intégralité, mais bon, bref, ça passe dans les coulisses de l'histoire. Et en fait, il s'est rapproché de moi de son propre chef. J'ai pas compris, tu vois. Et moi, je pense, alors, mon hypothèse de compréhension, c'est vraiment que l'ensemble, en fait, des lavages de cerveau dont lui, il a été objet quand lui, il allait en Turquie, quand il allait dans leur mosquée turque, où les mecs, vraiment, voilà, ils leur lavent le cerveau. Hein. On le sait maintenant. Ça l'a travaillé au point en fait où il s'est senti religieusement d'essayer de me rallier officiellement en fait à leur secte. Mais c'est aussi parce qu'il a dû voir en moi quelqu'un d'assez stupide pour croire à tout ce qu'il avait dit Ah depuis le ouais. début. Forcément, moi je te dis honnêtement et sur certains trucs, moi j'ai l'air du mec le plus stupide de l'univers. Tu vois, tu me vois, tu dis mais lui on peut l'arnaquer. Comme on dit, comme dans il y a un épisode de Better Call Saul qui dit on ne peut pas Ah, arnaquer meilleure les gens série. intègres. Ah ouais, non mais vraiment, je recommande à ceux et celles qui voilà. Non, je Franchement, sais. c'est mieux que Breaking Bad pour moi. Après, moi, je suis pas spécialiste des comparaisons des séries, tu vois. Il y a de quoi faire quand même, tu vois. Mais c'est vrai que Breaking Bad et Better Call Saul, c'est deux excellentes séries. Les Américains, sur certains trucs, des comportements sociaux, ils arrivent très très bien en C'est fait ça, à mettre en lumière certaines tendances. Alors, tu vois, donc je te disais. Donc c'est là en fait où il a commencé à me parler de leur imam Souleyman Ilmi Tounahan, avec le récit en fait selon lequel donc les membres de leur tariqa, donc la tariqa des Souleymanchi, donc ils considèrent que Souleyman Ilmi Tounahan c'est le Mujaddid. Alors le Mujaddid, qui c'est?
Donc le nom du Mujahid, il apparaît dans le livre du Sunan de Abu Daoud. Donc lui, c'est ce qu'on appelle le revivificateur de la religion. C'est-à-dire que c'est lui, en fait, qui va venir, qui va épurer la religion de toutes les innovations, les bid'a, tu vois, qui ont été insérées pendant des siècles. Et donc, dans leur croyance, donc ils disent que donc Suleyman Ibn Mithunahan, donc c'est le Mujaddid, donc, et qu'il faut croire en lui, car c'est lui, en fait, qui va faire ce qu'on appelle la shafa'a, donc l'intercession pour les croyants le jour du jugement. Et si on ne croit pas en lui, en fait, le jour du jugement, en fait, il va me rogner et j'irai en enfer. Donc ça, c'est un élément de leur croyance. Parmi les autres éléments de leur croyance, ils croient vraiment fermement que Jésus, donc le Jésus islamique, qui n'est pas le Jésus chrétien, que donc Issa, en fait, il est descendu sur terre en Turquie, dans la région d'Istanbul. Toujours lié en fait à la Turquie, tu vois, bizarrement. Ils croient aussi que... Ah non, mais ils sont obligés de se faire de la publicité, tu vois. Ils vont pas prêcher pour la paroisse de quelqu'un d'autre. Donc ils croient aussi que Suleyman Ibn Mithunahan, donc il est allé sur Mars, tu vois. Ok, Genre via... Ah, avec mais tu vois, Burak, c'est... Burak Avec Al-Borak Airlines, ouais, exactement. Ils ont passé par la Lune, ils ont fait une escale, après ils sont allés sur Mars. Donc via en fait l'équivalent du voyage astral, hein, Airlines. Ouais. par analogie en fait avec le voyage Al-Isra ou Al-Miraj, tu vois, le voyage nocturne de Muhammad. Et donc en fait il a vu une population qui vivait sous le sol de Mars, selon ses dires, et que cette population en fait elle va sortir du sol martien le jour du jugement. C'est en fait tout se produit, les événements les Ah ouais. plus enfin, mystiques se produisent toujours dans leur croyance le jour du jugement. Tu vois. Donc il aurait fait cette découverte avant que la NASA en fait ait découvert qu'il y avait des traces d'eau sur Mars. Bon, c'est déjà complètement débunké. Et donc il serait arrivé chez lui mouillé et en fait sa femme lui aurait posé la question de l'origine de l'eau qu'il avait sur ses vêtements. Et c'est là où il a raconté cette histoire. Tu vois. Encore une histoire farfelue pour endormir les crédules. Donc dans leur croyance, toujours, ils disent que Suleyman Ibn Mithunahan, donc il aurait reçu un livre en fait que Allah lui aurait directement dicté. Et ça fait un peu penser à la dictée des 10 commandements par le Dieu d'Israël à Moïse, tu vois, sur le mont Sinaï. Et donc ce livre, en fait, il contiendrait ce qu'on appelle en turc du keramet. En fait, si tu veux, c'est une espèce de miracle par l'essence qui permettrait d'accélérer l'apprentissage de l'arabe et du Coran. Alors là-dessus, j'ai une anecdote parce que le jour où il m'a raconté ça, tu vois, au moment où il me racontait ce truc-là, donc il me disait aussi que les enfants de leur madrassa, tu vois, leurs écoles coraniques turques, là, en fait, ils n'arrivaient même pas à apprendre une lettre par semaine, tu vois. Donc comment, avec votre livre qui permet d'apprendre, enfin d'accélérer l'apprentissage du Coran, vous avez vous-même dans vos propres écoles coraniques, vous avez des enfants qui n'arrivent pas à apprendre une lettre. Enfin, moi, je comprends pas. Là, il y a une espèce d'antithèse là entre ce que tu viens de dire il y a une minute et ce que tu dis maintenant. Tu vois. Et en fait, il Mais s'est pas rendu comment compte ça se que. passe? Genre, tu dois le lire pour avoir cette compétence? En fait, Ou... c'est un petit feuillet. Bah, j'essaierai de te l'envoyer. C'est un petit feuillet qui contient peut-être une dizaine de pages. Donc, dans le feuillet, t'as quoi? T'as les lettres de l'alphabet arabe: Alif, Lam, Mim, Ba, Ta, Fa, Za, Ra, Za et tout ça. Tu vois? Aïn et tout. Mais en fait, avec une police turquifiée. Et en fait, eux, ils ont mis une espèce d'invocation au début et une invocation à la fin. Ils ont mis la sourate Al-Ikhlas, ils ont mis les sourates courtes. Et en fait, ils disent que quand tu lis les lettres avec cette police turquifiée, en fait, rien que le fait de lire les lettres, ce keramet, en fait, il fait que tu vas apprendre vite, plus vite que la moyenne, le Coran. Tu vois. Tu te rends compte de la foutaise que c'est. Alors que tu vois, t'as des gens, ils mettent des années à apprendre le Coran par cœur. Eux, ils ont trouvé un truc, tu vois, c'est la fibre optique de l'apprentissage, tu vois, en termes islamiques. Enfin bref, encore un En peu. plus, enfin, moi perso, si j'avais accès à un outil comme ça, c'est pas le Coran que j'irais apprendre. Hein. Il y a tellement de livres avant, tu vois, comment devenir milliardaire, comment devenir un super médecin, tu Ah, la République de Platon, les vois. prolégomènes, ouais, c'est ça, tous les Chateaubriand, les mémoires bouquins. de Trontombe, tu vois, l'équation de Navier-Stokes, inégalité de Hölderlin et Minkowski. Ah ouais, moi j'aurais, Non, c'est mais pas le laisse Coran que tomber. j'ouvrirais, hein, ça serait certain. Donc comme je te disais, tu vois, ce livre en fait, c'est que avec des lettres arabes, mais qui utilisent une police turquifiée, rien de plus. Donc tu vois, il prend une police parmi les polices existantes, hein, tu vois. Je peux te citer quelques polices qui existent. T'as le Manzouri, t'as le Nasr, t'as le conventionnel Nasr, t'as le Koufik. Koufik, c'est assez connu. T'as le Ouais. Masque, t'as le Autocoffee. Felout, t'as le Nastarlik, t'as le Choukastar, t'as le Umayyad Koufik, t'as le Diwani, t'as le Rouqa, tu vois, t'as plein de Ah Koufik, tu vois. ouais. T'as plein OK. de polices. Non, pour écrire l'arabe, t'as autant de polices que de lettres, hein. Ça peut aller vraiment Oui. très très loin. Donc c'est pas une police en fait. Tu sais, moi j'ouvre Word, je fais à Arial Black ou Times New Roman, tu verras pas la différence, quoi. Enfin C'est ça. bref, non mais c'est pour te dire que les mecs en fait, ils sont pas un pipeau près. Donc ça c'est une de leurs croyances. Alors parmi les éléments de la croyance, et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Ils parlent de Al-Khidr en fait, tu vois. Et donc ils disent que en gros, Al-Khidr, donc c'est ce qu'on appelle le verdoyant en arabe.
il aurait enseigné en fait un rite en particulier qui est lié à la rencontre de Moussa, dans le récit coranique, dans la sourate 18 Al-Kahf, tu vois, Ouais. avec Al-Khid, au moment où il était avec donc Jonas, tu vois. Donc l'histoire du poisson, donc je ne vais pas trop faire le détail en fait de l'histoire, parce que c'est très très long, ça reprend un élément en fait du verset, enfin de la sourate Al-Kahf. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a trois événements. Moussa, en fait, il pense qu'il est le mec qui connaît le plus de choses sur Terre, et Allah, pour l'éprouver, en fait, il va lui faire rencontrer une personne qui connaît plus de choses que lui. Et donc, quand Moussa, en fait, il le rencontre, donc Al-Khidr, il lui dit, je t'autorise en fait à me suivre, mais tu me verras faire des choses extraordinaires. Ne me pose pas de questions sur ce que je fais. Et alors là, je vais te citer, tu vois, typiquement. Hein. Dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, voilà, si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Donc, les deux partirent. Après qu'il fut monté sur un bateau, l'homme, il fit une brèche. Donc, Moussa, il lui dit, est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. L'autre, il répond, donc, Al-Khidr, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Donc, Moussa, il lui dit, ouais, je suis désolé pour un oubli de ma part et ne m'impose pas une grande difficulté dans mon affaire. Donc après, il continue. Donc il voit un enfant. Donc Al-Khidr, il le tue. Donc Moussa, il dit, t'as tué un être innocent, il n'a tué personne, t'as commis une chose affreuse. Al-Khidr, il dit, je t'ai pas dit que tu pourrais pas garder patience en ma compagnie. Deuxième avertissement. Si après cela, en fait, je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moussa, alors je ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Donc ensuite, ils avancent. Ils arrivent à un village et ils demandent à ses habitants à manger. Donc les habitants, ils refusent. Et ils refusent aussi de leur donner l'hospitalité. Et ensuite, donc ils trouvent un mur qui est sur le point de s'écrouler. Donc Al-Khidr, il redresse le mur et Moussa lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Donc après, Al-Khidr lui dit, ok, ça marque la séparation entre toi et moi. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas su supporter avec patience. Donc il dit, pour ce qui est du bateau, donc il appartenait à des gens pauvres qui travaillaient en mer, je voulais donc le rendre défectueux car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Et nous avons voulu que leur seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville et il y avait dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton seigneur a donc voulu que tous les deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton seigneur. Je ne l'ai pas d'ailleurs fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Donc, Al-Khidr, en fait, tu vois, d'après leur croyance, en fait, il aurait enseigné un rite qu'on appelle Rabuta. En fait, il leur permet d'atteindre le degré Al-Ihsan. Donc, je pense que tu sais ce que c'est Al-Ihsan. Donc, il y a trois degrés, en fait, dans l'islam. Tu as Al-Islam. Al-Islam, c'est le fait, tu fais les cinq piliers, plus tu crois en Dieu, en Allah, etc. D'accord? Tu as Al-Iman. Donc, le Iman, oui, c'est Al-Iman, ça. c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en la prédestination, en ses livres, en le qadar, qu'il soit bon, au mauvais et au jugement dernier. Enfin, j'espère que j'ai rien oublié. Et Al-Ihsan, en fait, c'est le fait que quand tu pries comme si tu voyais Allah, mais si tu ne le vois pas, sois certain que lui te voit. Tu vois. Et donc, eux, ils disent que leur rite, à eux, donc qui s'appelle le Rabuta, il leur permet d'atteindre le degré directement à Al-Ihsan juste par le passage via un processus initiatique. Et ça, en VIP. fait, mais comme je dis, c'est la fibre optique de la croyance avec eux, tu vois. Et donc ça leur permet en fait de contrôler le nefs, tu vois, et le karin. Donc le nefs, c'est en fait tout ce qui te pousse en fait à l'orgueil, le fait que tu n'arrives pas à dompter tes instincts primaires, on va dire l'aspect cortex, tu vois, et reptilien. Et le karin, donc le karin, je rappelle que c'est le compagnon en fait qui est à côté de toi et en fait, il t'incite à faire des mauvaises actions, tu vois. Et donc, ils seraient, d'après leur croyance, après avoir effectué ce rite Rabuta, donc ils seraient complètement imperméables en fait aux instincts bestiaux, aux mauvais penchants de l'homme, et en fait, ils vont recevoir directement dans leur cœur la lumière de Allah, tu vois. Donc, ce rite, en fait, Rabuta, il se fait dans leur mosquée turque via un rituel qu'on appelle le hatim, tu vois. Ha, alif, ta, ya, m, tu vois. Où les fidèles, en fait, ils se mettent en cercle, tu vois, après la Ah ouais, j'ai prière. déjà vu des vidéos comme ça. Je sais pas, genre Voilà. ils dansent Ouais, et... ils dansent pas, non, ils sont vraiment assis, ils sont en cercle. Il y a pas de danse et tout, ils sont en cercle, ils sont assis, comme en position de. Ils sont à genoux, et ils sont collés les uns aux autres. Et en fait, donc ils se mettent en cercle et ils prononcent un certain nombre de fois Al-Istighfar, la sourate Al-Ikhlas, et en fait d'autres sourates courtes, une centaine, pour qu'à la fin ça fasse 100 répétitions, tu vois. Et il y a aussi, en plus, pour atteindre ce rite, le degré Al-Ihsan via ce rite Rabuta, des lectures individuelles du Coran. Par exemple, le fait de lire 20 pages par jour pendant une certaine période. Et en plus de tout ça, en fait, il faut être éligible au rite Rabuta, donc sur un critère de sélection que j'ignore complètement. Même lui, il m'a dit, voilà, en gros, ils savent pas.
et qu'il faut faire la demande, tu peux faire la demande, mais l'imam, en fait, qui a la connaissance de ce rite, en fait, il peut refuser le disciple. En gros, c'est comme en boîte de nuit, tu vois. Tu peux venir, mais ils peuvent ne pas te laisser rentrer. Mais un physio. Ah, mais c'est physio islamique, mon gars. Le meilleur garde du corps, visible, tu vois. Si ton niveau de spiritualité ne correspond pas, bah écoute, ciao, au revoir. Donc, il croit aussi qu'Al-Khidr, en fait, il est immortel. Mais vraiment, genre, il ne meurt pas. Et ça, c'est une énorme contradiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la sourate Al-Anbiya, la sourate 21, au verset 34, le verset dit exactement « Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront, eux, éternels ?» Et là, dans cette sourate, en fait, c'est Allah via Jibril qui s'adresse à Muhammad, tu vois. Donc, quand eux, en fait, ils disent que Al-Khidr, il est immortel, ils ont commis un énorme péché selon voilà, la théologie islamique. Parce qu'en fait, ils disent le contraire de ce que Allah il dit dans le Coran, tu vois. Et ça, eux, ils croient qu'ils sont complètement valides, tu vois, dans leur croyance. Attends, c'est pas fini. Ils croient, en fait, que de temps en temps, donc Al-Khidr, donc l'immortel, là, il apparaît, en fait, à certains endroits sur Terre, sous la forme d'un vieillard. Toujours sous la forme d'un vieillard, tu sais, genre l'homme qui a atteint la sagesse, tu vois. Et avec l'image qu'on peut se projeter, en fait, d'un barbu un peu hirsute, qui a l'air un peu, tu vois, clodo sur les bords, et qui serait un espèce de conseiller, mais il va te conseiller, en fait, avec une ou deux phrases évocatrices, un peu subliminales, mais avec un côté, une phrase allégorique, tu vois, une phrase rhétorique que tu vas pas comprendre tout de suite, mais dans un certain contexte, elle va parfaitement s'appliquer, tu vois. Et ça, c'est très suggestif, en fait, au niveau de la pensée. Et quand par exemple tu poses la question, mais c'est quoi cette histoire de vieillard qui apparaît à certains endroits sur Terre? Et bah, qu'il n'y a que des témoignages verbaux de la part d'imams. Il n'y a jamais des gens, tu vois, on a filmé un vieillard qui a apparu, qui a disparu. Tu vois, enfin, bref. Et alors tu vois, ce Al-Khidr, en fait, ce serait celui qui aurait poussé un des derniers sultans ottomans, avant la chute de l'Empire, tu vois, de laisser son trône et de devenir un derviche tournant. Moi, j'ai fait quelques recherches, en fait, sur un sultan ottoman qui est devenu derviche tournant. J'ai rien trouvé de concret. Donc, pas Un encore, quoi, pardon? c'est. En fait, qui est devenu un derviche tourneur. Tu sais, les derviches tourneurs, ceux qui, ceux qui, bah ça, d'ailleurs, ça fait partie du rite. Ça vient de la Turquie. Ceux qui, ils se mettent en position avec les bras à Ah l'horizontale et oui. puis ils tournent sur eux-mêmes. Tu vois, en Turquie, avec la longue chachia. Ouais. Et donc, un des derniers sultans ottomans, en fait, quand il a rencontré Al-Khidr, alors il m'a raconté l'histoire. Après l'avoir rencontré, il aurait abandonné son titre de sultan et il serait devenu derviche. Donc en fait, D'accord. l'histoire, c'est quoi? C'est que le sultan, il était posé chez lui, tu vois, et il faisait le récapitulatif des bonnes actions qui lui ont permis d'apporter la stabilité à la richesse à l'Empire ottoman. Donc il se disait à voix basse des choses comme le peuple, en fait, il a assez à manger, là, les terres, elles sont bien réparties, les gens, ils font la prière, etc., etc. En fait, c'est là où il a entendu sous les combles de son palais, tu vois, tu sais, toujours le truc un peu mille et une nuits, le bruit, en fait, de quelqu'un qui se déplaçait, tu vois, à l'intérieur des combles. Et il a été voir près des combles, et en fait, c'est là où il voit un vieillard, tu vois, qui passe entre les poutres. Et le vieillard, en fait, il saute d'une poutre à l'autre, comme ça, et il balance une phrase un peu allusive. Il lui dit, certains monarques, en fait, ils croient que réussir dans ce monde consiste à s'assurer que le peuple a à manger, alors que la réussite dépend d'où ils iront dans l'autre monde, tu vois. Et lui, ça l'a touché, parce que voilà, c'est un musulman, ce qui compte pour lui, c'est Al-Akhira, tu vois, c'est pas Al-Dunya, tu vois. Et après, le vieillard, à ce moment-là, il disparaît. Et c'est ça, en gros, qui aurait laissé le sultan un peu bouche bée. Et après réflexion, ils se sont rendu compte que son titre de roi, il avait aucun intérêt face à soumission à Allah. Donc, il a abandonné son trône et il a décidé de devenir derviche tourneur, tu vois. Donc, comme je te l'ai dit, enfin, le Coran, il réfute complètement leur croyance. Mais toi, quand tu étais du coup à l'époque musulman, est-ce que c'était l'histoire enfin je veux dire, est-ce que ça faisait partie de ta conviction? Est-ce que c'était quelque chose que tu as appris après, tu vois? En fait, c'est quelque chose que j'ai appris après parce qu'il n'a pas tout de suite amené le sujet, tu vois, sur le groupe auquel ils appartenaient. Ah oui, Et d'accord. je pense qu'il a dû se dire un truc du genre, vas-y, on le laisse, et après, on va essayer de le faire rentrer dans notre truc, tu vois. Et je pense aussi que lui-même, il a appris progressivement, mais tu vois, les Turcs, quand ils pratiquent l'islam, ils sont très, très, communautaires, tu vois. Ils ont leur forme de l'islam. Et lui, je pense, ça c'est vraiment ma perception, il se voyait mal, en fait, rejeter leur croyance parce que. Ah Lui, il oui. allait à ce truc, tu vois, ce truc de Hatim, il pratiquait le Rajabouta. Les imams qu'il fréquentait, c'est que des imams turcs, tu vois. Il allait jamais dans les mosquées tenues en fait par des gens du Maghreb ou des gens Les d'Afrique sunnites. subsaharienne ou des Pakistan. Ouais. Non. Enfin, c'est des sunnites, tu vois. Mais Ah. il allait jamais dans les mosquées malikites, ni les mosquées chafirites ou les Oui, c'est mosquées ça. hanbalites. Il allait que dans les mosquées turques qui sont essentiellement hanafites. Donc, en fait, il avait cette espèce de système d'œillères intellectuelles. Et théologique, où lui, en fait, en plus, il était très,
pro-turc, tu vois. Donc ça veut dire que si l'islam il est pas à la turque, lui pour lui c'est pas de l'islam. C'est pas l'islam. Donc c'est ça qui le confortait dans sa position. Donc nous on est plus, des, enfin je veux dire les musulmans du Maghreb, on est plus ou moins des mécréants pour eux quoi. Je dirais pas des mécréants, mais des musulmans de seconde zone, clairement. Moi il m'a, un jour de il m'a dit. Zone. Ouais, pour lui clairement il disait les Robeux, les Renois, c'est toujours là, c'est la même merde. Et ah ouais. Moi il me l'a dit à moi, mais en plus, enfin, il me l'a pas dit à moi. Moi, je l'ai surpris en train de dire ça à son frère, tu vois. Et son frère, il a dit putain, fais gaffe, il est là, tu vois. Et il m'avait pas vu après, il a dit oh merde et tout, tu vois. Mais voilà, c'est le fond de sa pensée qui est sorti, tu vois. Et par contre, quand par exemple dans les mosquées ou bien dans la rue, quand par exemple on croisait des potes, hein, je sais pas, un Marocain, un Algérien, je sais pas, un Pakistanais, un Malien, un Sénégalais. Bah, il affichait pas cette position. Ouais, tu vois, l'hypocrisie. C'est une forme d'hypocrisie islamique teintée de pseudo-diplomatie, tu vois. Et je pense que au fur et à mesure que lui il est rentré dans l'enseignement de leur tariqa, il a appris ça et il n'a pas cherché en fait à remettre en cause parce que pour lui c'est la vérité, tu vois. Et mais j'ai l'impression, enfin, le peu de trucs que j'ai pu entendre sur le soufisme. C'est qu'à chaque fois, ils ont cette posture, comment dire, où ils voient les autres musulmans comme tu disais, tu vois, inférieurs ou. Oui, mais tout à fait. Mais alors, ce qui est intéressant justement sur le soufisme, c'est que ils sont dans l'excès en fait de la recherche de la pureté de l'apparence, ouais. La pureté du cœur, la pureté. Tu vois exactement. Et ils se rendent pas compte que. Ils s'excluent de la société parce qu'ils ont cette espèce de frustration, tu vois, c'est comme un espèce de puits sans fond où ils recherchent quelque chose qui n'existe pas et on leur met des espèces d'épreuves graduellement, avec un certain niveau de difficulté graduelle, qui fait que on leur dit toujours en faire plus, mais c'est comme en fait l'histoire de la grenouille dans un bain, tu vois, tu la mets dans de l'eau, tu chauffes l'eau progressivement, à chaque fois en fait la grenouille se dit ouais ça va, il fait pas trop, et je suis pas en train de bouillir, tu vois, on va pas vite dans l'eau bouillante d'un seul coup, c'est la température, elle monte progressivement, et puis après un moment t'es complètement cramé. Le soufisme, c'est ça, c'est cette recherche de pureté, cette recherche de ce qu'on appelle le tajali, tu vois, où ils veulent en fait avoir une espèce de manifestation de la présence divine, et non, ça produit rien de bon en fait, ça produit des gens qui sont émotionnellement déséquilibrés, coupés du monde, qui sont incapables en fait de se reconnecter à la réalité. On leur supprime en fait leur rationalité. Tout ça pourquoi ? Pour une espèce de pseudo-quête initiatique où en fait le but c'est de rechercher en fait son soi intérieur. Mais en fait c'est là une voie. Enfin, désolé, hein, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que c'est une secte de la secte, en fait. Une secte de la secte de l'islam. C'est l'islam de l'islam, tu vois. D'ailleurs, une fois, j'avais vu une vidéo, il y a très très longtemps, d'un imam qui disait, en gros, que, tu vois, par exemple, pour les... Ce qui est, tu sais, tu connais les cinq stades, par exemple, t'as le halal, t'as le wajib obligatoire, halal, makro, et c'est quoi à chaque fois j'oublie, haram. Et en fait, eux ils disent par exemple que les soufis, tout ce qui est makro pour les sunnites, qui ne sont pas soufis, pour les soufis c'est haram, tu vois. Non, donc à chaque fois ils sont dans l'exagération, tu vois, la surenchère et tout le temps essayer d'aller plus loin, tu vois. Mais le problème c'est que ça c'est leur perception des choses qui leur donne l'impression qu'ils vont plus loin. Mais en réalité, ils font du surplace, tu vois, c'est comme le hamster qui tourne dans la roue. Ils bougent, mais ils vont nulle part, tu vois. Et bon, le fait qu'ils s'isolent, qu'ils se communautarisent, ils s'entretiennent entre eux, tu vois, leur système de ouais, voilà, on est dans le bien, on est dans le khayef, tu vois. Et en réalité, il se passe absolument rien du tout. Alors après, s'il faut analyser sur le plan politique, social et tout ça, il y a encore d'autres ramifications qu'on peut explorer. Mais dans la croyance, ils sont capables de faire des choses complètement déviantes, tu vois, par rapport au canon orthodoxe. Et du coup, toi, juste pour revenir un peu à... Parce qu'on n'est toujours pas arrivé à ton apostasie. Du coup, comment... Enfin, à quel moment tu t'es dit... Voilà, c'est chelou. Quand est-ce que ça a commencé, en fait, le process ? Alors, tu vois, déjà, avec tout ce qu'il m'a dit à ce moment-là, hein, moi, j'ai en plus, avec le passif que j'avais avec lui, je pouvais en fait que me rendre à l'évidence qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu vois.
Et sur la plupart des informations qu'il me communiquait, j'ai ni acquiescé, ni réfuté ce qu'il disait, mais je le laissais juste raconter ses trucs pour voir jusqu'où il irait. Et rien de ce qu'il me disait, c'était assez, comment dire, convaincant pour que, enfin, je comprenne pas enfin, j'ai compris après que j'avais fréquenté une secte qui se prétendait du hanafisme, mais aussi du soufisme, tu vois. Et en fait, le moment déclencheur, donc ça a été vraiment pendant le mois de Ramadan, il y a plusieurs années, où il m'a contacté et il m'a parlé de la nuit des saints. En fait, il affirmait que selon leurs croyances, tu vois, et il disait que leur secte avait suivi l'imam Charani, donc tu peux voir quelques ouvrages de l'imam Charani. Et en fait, la nuit du destin, c'était pas une des 10 dernières nuits en fait impaires du mois de Ramadan, comme ça apparaît dans l'orthodoxie sunnite, mais que c'était une nuit parmi celles en fait vers le 15e jour. Et là, je me rappelle encore de la discussion qu'on a eue lorsqu'il m'a dit, oui, ce soir c'est la nuit du destin, le ciel il est dégagé, on voit les étoiles, les anges descendent sur terre et tout et tout. Et moi, quand il m'a dit ça, bah, j'ai regardé à ma fenêtre, tu vois. Et qu'est-ce que j'observe? Tu sais, moi, je suis très Saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. Enfin, maintenant, je suis comme ça. Tu vois, avant, j'étais un peu con sur les bords. Donc, moi, je tourne la tête, je regarde à ma fenêtre et je vois qu'il y avait un méchant orage et une averse comme j'en ai jamais vu, tu vois. Et je me suis dit, bon, là, je vais pas encore demander des preuves que je suis en train de me faire berner, tu vois. Et là, je lui ai dit, écoute, moi, je connais pas ta croyance. Et pour moi, la nuit du destin, c'est pas la nuit que tu décris. Et c'est là, en fait, où j'ai compris qu'ils me pipotaient depuis le début, et qu'en fait, leur groupe religieux, donc c'était une secte déguisée en orthodoxie musulmane, du point de vue du sunnisme. Et donc, il a essayé de me recontacter, mais je lui ai fait comprendre d'arrêter de me parler de la religion. Donc, il a tiqué, il a essayé de comprendre pourquoi je lui avais ordonné d'arrêter son ingérence comportementale. Et il a tenté de changer son approche, mais j'étais suffisamment ferme, en fait, pour qu'il arrête de chercher à m'approcher. Mais après, là, j'ai demandé à tous mes contacts, tu vois, dans les jours suivants, de vérifier tout ce qu'ils m'avaient raconté, surtout sur l'aspect du dogme et de la pratique. Et tous, ils ont été unanimes, tu vois. Donc, leur groupe, il a des pratiques déviantes. Même si, tu vois, même s'il dit non, mais je t'ai dit la vérité, mon pote, et tout, t'inquiète pas, crois-moi, et tout, nan, nan. Et en fait, ce qu'ils font n'est connu que de leur minorité, tu vois. Et c'est là où j'ai vraiment poursuivi mes recherches sur leur groupe et sur l'islam en général. Et là, c'est là où la porte, tu vois, comme on dit, la boîte de Pandore, je l'ai ouverte. Donc j'ai découvert en fait tout un pan du corpus islamique dont très peu de personnes parlent et qui montre en fait que l'islam c'est pas une religion de paix, qu'elle combat toute une série de concepts modernes qui ont libre cours dans les sociétés démocratiques et en particulier les sociétés occidentales. Alors parmi les découvertes les plus choquantes, j'ai appris donc que l'islam il est nullement contre l'esclavage. L'islam n'est pas contre l'esclavage. Donc Ah Muhammad il avait lui-même des esclaves, tu vois. Et bon. il y a à ma connaissance aucun verset qui interdit l'esclavage, même de façon Bien au graduelle. contraire. Merci, tu vois. Et comme cela, en fait, ça a été fait pour l'interdiction progressive de l'alcool. On sait, tu vois, qu'il y a des versets qui, soi-disant dans la narration islamique, ils interdisent progressivement l'alcool. Je venais pas à la mosquée quand vous êtes ivre. Après, paf, tu vois, in fine, c'est ouais, voilà, interdit de boire. Donc, bien au contraire, comme tu disais, donc l'islam, il légifère l'esclavage. Et il en parle seulement de récompense pour les personnes qui libèrent des esclaves. Tu vois. Mais l'islam, en fait, il encourage aussi le fait d'esclavagiser les ennemis qui ont été vaincus au cours de batailles entre les armées musulmanes et les armées non musulmanes. Et les preuves, en fait, de cela, elles sont présentes dans les ouvrages comme le Sahih de Bukhari, qui recense toute une palanquée de hadiths qui en parlent explicitement. Tu vois. Là, il n'y a pas d'anicroche, il n'y a pas de ambiguïté, tu vois, au niveau du récit, au niveau de l'interprétation. Et tu as aussi des savants musulmans. Il suffit de regarder les chaînes Arabie Saoudite, certaines chaînes, tu vois, même au Pakistan. Et tout, où ils disent oui, non, l'islam, esclavage, faut esclavagiser les ennemis d'Allah, tu vois. Donc, ça, c'est un fait. Donc, j'ai aussi appris que l'islam, il autorise, pardon, de profiter sexuellement des femmes qui sont les captives de guerre, tu vois. Je pense qu'on sait tous à peu près la narration autour de ce genre de récit. Et que le Coran, il autorise à frapper sa femme en cas de crainte de la part du mari. Donc, pour un soupçon, le mari, il est autorisé en fait à frapper sa femme. Ce qui est quand même, tu vois, vachement démocratique, comme certains diraient, tu vois. Donc j'ai Oui, appris mais aussi. Charlie, franchement, t'es de mauvaise foi, hein, parce qu'il peut la Ah frapper juste avec un petit bâton, oui, voilà quoi. la taille d'un bâton de réglisse, un siwak, quoi, ou bien avec un mouchoir, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ça va lui faire vachement d'effet. Ouais, je pense que les féministes seraient ravis d'entendre ça, que l'homme il a le droit de frapper sa femme avec un siwak. Tu vois. Je ne sais pas quelle est la position d'ailleurs des féministes là-dessus. Tu vois. C'est parce que j'entends des musulmanes qui se disent musulmanes et féministes, et on peut en parler de ça aussi. Hein. Enfin, ce serait funky. Donc j'ai appris aussi que le djihad offensif, c'est une obligation pour les musulmans, même si de nos jours très peu le pratiquent. Et en fait, Ah que ouais. des personnes illustres de l'historiographie musulmane ont mentionné que celui qui ne fait pas le djihad, en fait, il meurt sur une des branches de l'hypocrisie.
Tu dois, alors de mémoire, je crois que c'est Omar ibn al-Khattab qui a dit quelque chose comme si les musulmans ils arrêtent de faire le djihad armé, en fait Allah il va envoyer une malédiction sur eux qui les mettra en situation d'infériorité vis-à-vis des non-musulmans. Tu vois, donc ça c'est explicite, tu vois. Tu peux pas aller rechercher un savant pour dire oui, mais il y a le contexte, je sais pas quoi, tu vois, il y a plusieurs sens, c'est poétique et tout. Non, non, là c'est pas le Coran, là c'est la parole d'un calife. Non, Et en mais fait, le tu sais, récemment, j'ai, enfin, sur ma page Insta, j'ai publié genre trois posts, tu vois, et le titre c'est Quels sont les versets du Coran les plus pacifiques? Tu vois, avec un ton plus ou moins ironique. Et parmi la liste, en fait, des trucs que j'ai trouvé, j'en mettais cinq versets par post. Et le Sourate Tauba, est-ce que tu l'as Ouais, déjà lu? je connais la, j'ai pas, je me rappelle plus, tu vois, je l'ai Non déjà mais lu, mais ouais, je laisse sais de quoi tu tomber. parles. Ouais, Franchement, non, je j'ai vu vous ça. invite à aller voir sur Instagram ce que j'ai mis, mais il n'y a pas besoin d'être comment dire, un scientifique islamique, je sais pas quoi, pour comprendre. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, c'est l'appel au meurtre en fait, l'appel au meurtre direct. C'est la diplomatie version islamique, tu vois. Ah oui, c'est Alors, ça. ils auraient dû la renommer la sourate de la diplomatie, tu vois. Parce que le repentir, c'est un peu trop, tu vois. C'est trop brut de fonderie. Il faut un peu plus de, comment dire, édulcorer le propos, tu vois. Donc, Tu sais, ouais. attends, j'ai envie d'en lire un, juste Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. pour mettre l'ambiance, tu vois. Donc c'est Sourate 9, verset 29, voilà. Vous combattrez contre ceux qui ne croient pas en Dieu, ni au jour dernier. Ils ne s'interdisent pas non plus ce que Dieu et son messager ont interdit. Ils ne se conforment pas non plus à la religion de la vérité. Jusqu'à ce qu'il paye la taxe due de gré ou de force. Voilà. Donc en gros, il faut les combattre. Moi, ce que je comprends, hein, faut les Ouais, non, combattre parce qu'ils ne croient on pas en Dieu ni au jour dernier. Ok. Et ils ne s'interdisent pas en fait ce que Dieu et son messager ont interdit. Et du coup, pour qu'ils restent en vie, en fait, il faut qu'ils payent une taxe, enfin, que ça leur plaise ou non, quoi. Voilà, tout ça, simplement. c'est Moi, ça. c'est ce que je comprends. Moi, Ouais, tu me mets d'ailleurs. ça entre les mains. J'ai pas besoin d'être un scientifique pour comprendre qu'il faut que je combatte ceux qui croient pas en Dieu. Le Coran, Et il est c'est pas que très les clair. apostats, hein. C'est pas que les Bien sûr. apostats, faut être Oh non, clair. mais c'est pas que c'est les chrétiens, c'est n'importe qui n'est pas musulman. Il n'y a pas besoin d'avoir quitté l'islam pour se faire combattre par Donc, l'islam. quand tu habites en France, au final, tu dois combattre tout le monde. Ah Tu vois? bah ça. Je Voilà. pense que c'est une évidence. Hein. Donc voilà. Ouais, non, c'est sûr. Hein. Non, non, Et ça, c'est juste un extrait, hein. J'en ai mis 15 des versets comme ça, du même ordre de hardcoreisme. Ah ouais, non, là c'est le gore total. Et donc, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de musulmans en fait qui vont te parler du djihad en te disant que oui, non, mais le djihad c'est l'effort, c'est djihad en nefs. Alors, c'est vrai que au niveau de la dénomination, de la terminologie, le djihad en nefs est considéré comme le grand djihad, djihad akbar. Ok, ça, je suis d'accord. Mais c'est de la sémantique en fait, tu vois, c'est de la syntaxe. Mais ils trompent les gens en fait qui connaissent pas l'islam en occultant l'autre djihad, le djihad asrar, qui est en fait le djihad armé et qui est obligatoire, tu vois. Quand Donc, tu faut fais des bien que les études, gens. c'est du djihad, par exemple. Par exemple, ouais. Bon, en même temps, voilà quoi. J'ai envie de te dire, tu sais, tu veux une médaille pour faire des études, tu vois. Quand tu as les moyens, tu es dans un pays, tu as les moyens de faire des études. Ok, hein, tu vas pas demander une récompense, tu vois. C'est ça. Même ne serait-ce que spirituel. Ok, je peux comprendre sur le plan matériel, tu fais des études qui sont dures, tu vois. Mais dire que tu fais des études et que c'est du djihad, en fait, c'est comme si tu disais, ouais, je mets un pied devant l'autre, c'est du djihad, tu vois. Bah À un oui. moment, faut arrêter. Donc, ouais, en fait, ils endorment les gens avec cette histoire de Non, mais djihad, les nef, dérives. c'est bon. Voilà. Et donc, tu vois, j'ai appris donc, que les versets qui appellent à la conciliation et à la paix, en fait, ils sont tous abrogés par les versets violents. Et ça, les musulmans, en fait, ils le disent que dans les pays islamiques où, si tu veux, l'opinion publique est extrêmement contrôlée, tu vois. Mais dans les pays démocratiques, ils ont toujours toute une série de acrobaties, de dribbles, de comportements un peu sinueux pour essayer de faire croire que c'est pas le cas, tu Ils te disent l'inverse en fait, ils te disent que vois. bah du coup l'abroger c'est les versets les plus violents et les autres qui restent. Et... C'est ça, Bon, c'est en ça. fait comme la chronologie elle est floue, parce que le Coran n'est pas écrit dans un ordre chronologique et qu'il y a plein de chronologies qui se basent sur des critères, je sais pas, j'ai vu ça la dernière fois, Très mais ça... arbitraire.
Voilà, c'est très arbitraire, c'est des chaînes de transmission, je sais pas quoi. Ouais, voilà, mêlé au hadith, etc. Donc vraiment, tu peux sortir n'importe quelle loi que tu veux, en fait, islamique. Tout à fait, tout à fait. Donc tu vois, il y a cet aspect-là, et que en fait le Dieu du Coran, il maudit ouvertement les Juifs et les chrétiens expressément et explicitement. Je vais te citer par exemple la sourate, ben justement, on est dans la sourate 9, verset 30. Les Juifs disent Ouzaïr est le fils de Dieu, et les chrétiens disent le Christ est le fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité? Tu vois, ce qui est intéressant, par exemple, si on s'arrête à cette sourate, qu'on fait une petite analyse de texte, bon, les gens vont dire, oui, voilà, c'est pas le Coran, c'est une traduction. Ouais, c'est bon, le Coran Ah quand vous ben, juste traduisez, vous pouvez pour pas dire que... répondre à un truc, parce que moi je suis arabophone, je suis pas le plus grand arabe, enfin je veux dire, je suis pas spécialiste de la langue arabe et tout, mais moi je trouve que quand tu lis le Coran en arabe, il est encore plus hardcore que les traductions, hein, juste pour info. Les Les traductions, au traductions, en fait, contraire. elles adoucissent beaucoup le sens Voilà, c'est ça. brutal du Coran. Et encore heureux, parce que sinon, je pense qu'on aurait interdit l'islam depuis longtemps en Occident. Mais bon. Et donc, tu vois, par exemple, si on s'arrête à ce verset, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, ils disent, les Juifs disent, Ouzaïr est le fils de Dieu. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'existe pas dans l'histoire une personne qui s'appelle Ouzaïr dans la théologie juive. Il n'y a personne qui s'appelle. Et donc, toute l'histoire qui a été montée sur la base de Ouzaïr, c'est un prophète d'Allah, je sais pas quoi et tout. Ça, c'est la vision islamique. Mais premièrement, t'as rien en fait dans le canon juif qui confirme l'existence d'un mec qui s'appelle comme ça. De deux, il n'y a aucune trace historique. Et puis même l'histoire de Ouzaïr, en fait, Dieu, il a fait mourir tout un village autour de lui, il l'a laissé dormir pendant un siècle et après il l'a ressuscité. Et en fait, il s'en est rendu compte quand il a vu son cheval qui était mort. C'est bon, voilà, ça fait encore un truc fantasmagorique, tu vois. Et donc, quand par exemple tu connais un peu la théologie juive, il n'y a pas de mec qui s'appelle Ouzaïr. Alors, il y a une personne qu'on appelle Esdras, et certains l'appellent Ezra, mais ça n'a rien à voir en fait avec un prophète. Alors, il fait partie des patriarches, sauf erreur de ma part. Mais tu vois, ça, c'est en fait, c'est le problème de l'islam, c'est qu'il s'approprie en fait des légendes, où il invente des choses, et en fait, il essaye de les calquer ou de les coller à d'autres canons, d'autres religions, sans même en fait être capable de coller en fait véritablement De à l'historiographie. Et les musulmans savent pas C'est ça, comme tu vois. quand t'es en examen et que tu triches, tu prends la réponse de ton pote et tu la recopies mal, tu vois, et que la prof, elle te grille direct. Exactement, copier bâcler, tu vois, c'est le C'est truc. ça. Voilà. Et donc, tu vois, et ça, c'est on a pris un verset, tu vois. Mais si tu déroules tous les versets, enfin, ouais, c'est bon. De toute façon, je vais citer d'autres choses qui vont faire lien, en fait, avec ce que je viens de dire. Donc, tu vois, par exemple, tu as les versets sur la condamnation ouverte des pratiques homosexuelles. Moi, j'étais déjà au courant à l'époque, tu vois. Mais franchement, pour être sincère, je prêtais pas attention, tu vois. Mais le corpus islamique, donc notamment les hadiths, il mentionne le fait de tuer l'actif et le passif chez l'homme, tu vois, qui a des comportements homosexuels. Et ça, c'est pas moi, c'est tu ouvres le Sahih, Al-Bukhari, Muslim, tout ce que tu veux, c'est écrit noir sur blanc. Tu vois? Mais dans le Coran, c'est pas du tout mentionné que... En fait, il y a C'est pas juste mentionné dans le l'histoire. Coran. Oui, il y a C'est juste... la... Ouais, t'as l'histoire en fait du peuple de Lot, tu vois, De l'autre, avec la mais ville. sinon, c'est pas vraiment interdit, quoi, genre... Ça, c'est vrai. Dans le Coran, c'est pas mentionné, c'est pas interdit. Enfin, c'est mentionné qu'en fait, ils ont commis une abomination sur terre et que c'est les premiers à l'avoir Oui, fait, tu c'est vois. ça. Mais il n'y a pas de condamnation, en fait, une sanction par un châtiment corporel. Ça, c'est vrai. Faut rester correct, tu vois. Mais par contre, dans les hadiths, c'est écrit noir sur blanc. Et même la jurisprudence islamique, en fait, à la base, elle condamne les comportements homosexuels. Tu vois. Alors, c'est plus mentionné l'homme, parce que les termes qui sont utilisés, c'est l'actif et le passif. Mais c'est aussi parce que Mohamed, en fait, je pense qu'il ne devait pas savoir qu'il y avait des pratiques homosexuelles chez les femmes. Donc, c'est Ou complètement bien passé à côté. enfin, je blasphème, mais ou bien qu'il aimait bien, tu vois, qu'il voulait les Ouais, garder. c'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc, tu vois, moi, j'ai appris donc au fil de mes recherches qu'en fait, l'islam, c'est pas une religion au sens où le christianisme et le judaïsme, en fait, se définissent. Ils sont capables de se définir en séparation des pouvoirs temporels, donc même si ça n'a pas toujours été le cas. Mais en fait, qu'il avait vocation à tout régir dans la société, tu vois. C'est pas un folklore culturel où chacun dit, ouais, moi je suis musulman, toi t'es musulman, on est copains, et toi t'es pas musulman, c'est pas grave, moi c'est juste une croyance, tout ce qui... C'est pas ça, parce qu'il y a des musulmans qui ont essayé de te faire croire que c'est une spiritualité. Non, il y a vraiment
au sens de l'aspect des conséquences sur le comportement de la personne, il faut différencier l'islam et une spiritualité. Tu vois. Par exemple, le bouddhisme, c'est une spiritualité. Tu vois. Mais l'islam, c'est pas une spiritualité. Il y a des éléments teintés de spiritualité, mais ça ne fait pas le cœur de l'islam. Tu vois. Donc, comme je dis, il a vocation à tout régir dans la société. Donc de la portion la plus minime de la sphère intime au comportement global des masses. Et en fait, un truc important qu'il faut savoir, c'est que l'islam nie à l'individu sa liberté de penser, d'agir et d'aller où bon lui semble. En fait, tu dois tout faire par rapport à ce que Allah t'a ordonné et ce que Mohammed a fait. Parce que Mohammed, c'est considéré comme le meilleur exemple, tu vois, en termes d'humanité. Donc tu ne peux pas en fait décider de ta propre personne. Il y a un verset qui le dit, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient pas aux croyants en fait d'aller dans le sens contraire. Bon, le verset il dit ça. Donc, t'as pas ton libre arbitre en fait, tu vois. Donc, pour continuer, donc j'ai appris en fait que le voile des femmes, c'est une obligation qui n'est pas négociable en fait. Tu vois, et que c'est Ah pas oui. un choix, tu vois. Mais c'est bien quelque chose qui est imposé par Allah aux femmes qui prétendent être musulmanes, tu vois. Et donc, il y a toute une série de hadiths qui menacent les femmes qui portent pas le voile de supplice de l'enfer et que Allah, par exemple, il ne regarde même pas la femme qui fait pas la prière avec son voile, tu vois. Donc, il y a ça. Donc, j'ai appris aussi que l'islam, il refuse à l'être humain, donc, comme je te le dis, sa liberté de choix et de décision dans la gestion de sa vie de tous les jours. Et que cette liberté, en fait, elle est restreinte qu'à ce que Allah, il l'autorise et il l'interdit, rien de plus, tu vois. Et. Alors, c'est là où on s'approche de on va dire le lever de rideau. Donc, j'ai vu surtout en fait la duplicité comportementale et l'immense écrasante majorité des musulmans, les deux immenses majorités des musulmans face à tous ces versets en fait et ces hadiths qui sont inconfortables. Tu vois, parce qu'il faut assumer ça. Et le consensus des savants religieux est également le positionnement mutique de ceux-ci. Tu vois, lorsque je leur montrais des versets, les hadiths et les avis des savants religieux, au minimum, ils détournaient le regard en faisant l'autruche. Au maximum, ils employaient une mécanique argumentaire fuyante, détournée, et en évitant soigneusement en fait de répondre aux questions via des paraphrases, des périphrases, afin de me tromper sur la direction de la discussion. Mais j'ai bien vu en fait les postures malaisantes lorsque je les coinçais sur des questions centrales comme l'esclavage historiquement recensé des populations afro-subsahariennes par les Arabes sous le contexte de la diffusion de la religion de la vérité. Si tu lis par exemple le bouquin de Tidiane Ndiaye, Le génocide voilé, enquête historique, c'est écrit noir sur blanc. Tu vois, ce que les Arabes ils ont fait, en fait, pas en Afrique subsaharienne, au Maghreb aussi. Tu vois, si tu lis par exemple Maître esclave chrétien, maître musulman de Robert C. Davis, sauf erreur de ma part, il montre que Alger, Tunis, Tripoli, c'était des marchés aux esclaves. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose de. Ça appartient à l'histoire. Ils peuvent pas. Tu peux pas. Parce que vous êtes un groupe, dire non, c'est pas vrai, c'est l'Occident, c'est les sionistes. Ça marche pas, ça, tu vois. Tu peux te mentir à toi-même, mais tu peux pas mentir au monde. Et donc, à certains moments, donc moi j'ai vu en fait que mes interlocuteurs, quand je leur sortais noir sur blanc, les versets, toutes les choses qui étaient inconfortables, ils niaient en fait le contenu du Coran pour essayer de s'en sortir sur le plan argumentaire, au risque de se parurer, tu vois, et donc de sortir de l'islam en disant que, entre guillemets, le Coran ne dit pas ce que le Coran dit. Et tu vois, c'est là où tu as quand même, comment dire, un basculement, tu vois, qui s'est opéré. Donc, du mensonge, en fait, légiféré par certains versets, par exemple, de la tactique qui est avalisée par décret divin, tu vois, par exemple, typiquement la taqiya, tu vois. Quand tu es en situation de faiblesse, de patienter, et quand tu es en situation de force, tu détruis les peuples, en fait, qui refusent l'islam, tu vois. Et ça a été vraiment, en fait, révélateur pour moi, tu vois. Alors, par exemple, ce que je peux dire aussi, ce que j'ai fait, c'est que en parlant d'apostasie, en fait, ça s'est fait graduellement. Tu vois, j'ai toujours senti de toute façon une espèce de sensation de malaise. C'était permanent lorsque j'étais musulman par rapport à ça, parce que en même temps, je faisais partie de la communauté, mais ils ne me considéraient pas vraiment comme. Tu vois, j'avais pourtant, voilà, je m'étais converti et tout. Ça avait fait tes preuves. Ouais, entre guillemets, tu vois, ma période d'essai, elle était passée, si on peut le dire comme ça. Tu vois. C'est ça. Donc, moi, tu vois, contrairement à ce que beaucoup de musulmans affirment, il y a des castes, en fait, au sein de l'islam. Il y a des strates, tu vois. Par exemple, moi, je me rappelle, pendant les périodes des fêtes, comme le Eid al-Fitr ou le Eid al-Kébir, tu vois, moi, je souhaitais, pendant un moment, j'étais très, très naïf, tu vois, je souhaitais systématiquement la célébration, tu vois. Mais, tu vois, il y avait très, très peu de retours, tu vois. Alors, je me demande, ça s'excuse, tu vois, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et en fait, ça m'a montré en fait la fainéantise d'une majorité de musulmans lorsqu'il s'agit de au moins répondre à un SMS. Tu vois. Les mecs, ils disent c'est la fête et tout. Et surtout que le SMS, il est gratuit. Et je me rappelle que certains me répondaient même avec plus d'une semaine de retard. Tu vois.
Donc moi j'ai vu en fait les nombreuses lacunes de la communauté musulmane qui vit en Occident, puisque moi c'est en Occident hein, que j'évolue, Oui. beaucoup de blabla, très très peu de concret, de l'énergie gaspillée dans les mauvais combats, alors en particulier de l'ingratitude envers les pays qui les accueillent, au point de chercher à créer un État dans l'État, et de vouloir justement, par jalousie inavouée, concurrencer des peuples comme le peuple juif. Ça, moi, le nombre de fois où j'ai entendu la jalousie en fait subliminale des musulmans envers le peuple juif, enfin, c'est consternant, tu vois. C'est vrai qu'il y a une rancune multiséculière et qui est ultra présente chez énormément de musulmans. Je pense que c'est quelque chose qui soit qui c'est inconscient, soit c'est intériorisé ou c'est Bah, assumé et qui le cache. quand tu lis le Coran, Sourate al-Baqarah, les premiers versets, tu vois, Banu c'est que Israël. Bani Israël, Bani Israël, Bani. Mais tu vois, au bout d'un moment, bien sûr que tu vas creuser, enfin, tu vas, comment dire, développer une haine, mais genre tellement profonde, parce que si tu. Enfin, quand tu lis le Coran un peu bêtement, tu te dis, tu vois, c'est les premières paroles du Coran, quoi. Tu Non, vas c'est vrai, retenir c'est vrai. ça en premier, parce que quand tu lis un livre, généralement, tu retiens le début, tu retiens la fin, tu vois, et un peu les faits au milieu, quoi, tu vois. Mais oui, non, mais moi, ça m'a marqué hein, quand j'ai lu Sourate al-Baqara direct. Bon, non, je me suis dit, mais pourquoi, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant de haine? N'avez-vous donc pas de cœur? Oui, Ouais, je me donc. suis dit, putain, c'est normal que, parce qu'en Algérie, tu vois, les gens, c'est même une insulte. Yahoudi et tout, c'est une insulte normale, tu vois. Quand on te traite de juif, c'est la pire des insultes, tu vois. Et Ouais, non, mais je me suis dit, ah ouais, je ouais, comprends mieux maintenant. ah non, mais ouais, ils sont clairement matrixés, entre guillemets, matrixés, tu vois. Et donc, tu vois, t'en as parmi beaucoup de musulmans, ils savent sélectionner le bon auditoire pour parler de leur frustration vis-à-vis du peuple élu du Dieu d'Israël, tu vois. Et c'est un anti-judaïsme, un antisémitisme dont de plus en plus de personnes, en fait, ils réalisent la réalité ineffable. Et c'est triste à dire et à observer, d'autant plus que ça vient du Coran, en fait, cette haine envers les Ouais, c'est juifs et ça. les chrétiens. Tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc, cette haine aussi envers la terre d'accueil, tu vois. Par exemple, en Occident, tous les pays qui accueillent les musulmans par humanité, en fait, tu vois. Et couplé, en fait, à une cupidité transpirante par amour pour le confort matériel. Confort que l'Occident, en fait, il a construit au prix de sacrifices continus et de remises en question permanentes. Puisque faut garder à l'esprit que l'Occident, ok, il y a eu des guerres, il y a eu tout ce que tu veux, mais la différence, en fait, avec beaucoup de régions du monde, c'est qu'ils ont été capables d'être résilients sur le plan civilisationnel. Et c'est pas le cas, justement. Un dogme religieux ne peut pas être résilient. Tu vois, il est enfermé en fait dans sa doctrine et il est buté en fait dans ses idées. Et malheureusement, tu vois, comme on dit, tous les empires sont voués à s'écrouler. Donc l'islam, un jour ou l'autre, c'est pas parce qu'il y en a 1,8 milliard que. De toute façon, il y a déjà plus d'empire islamique. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que même le concept, à un moment ou à un autre, il va complètement s'évaporer parce que ça ne tient pas en fait et c'est inapplicable. Donc. Tu vois, ça aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une forme de paresse intellectuelle justifiée par la suffisance de la parole d'Allah. À partir du moment où Allah et le prophète ils l'ont dit, c'est bon, on n'a plus besoin de réfléchir, on a juste à appliquer. Et il y a un nihilisme, en fait, tu vois. Le fait de détester la vie et cette espèce de fatalisme, tu vois, face aux aléas de l'existence. Tu vois, comme si, en fait, les musulmans, le fait d'accepter ce qu'ils appellent le qadar, ça faisait d'eux des meilleures personnes. Mais tu peux te combattre, tu peux te battre contre des forces qui s'opposent à toi, tu peux résister, tu peux essayer de trouver des moyens pour t'en sortir, mais eux, en fait, ils sont vraiment dans une espèce de. Ils ont accepté leur sort, tu vois. Donc, moi, j'ai vu aussi qu'il y avait un fossé entre ma façon de penser, donc comment je les voyais. Ça, c'est au fil, en fait, de ma réflexion et du fait que j'ai commencé à maturer, tu vois, et de leurs démonstrations et les courbettes illusoires, quand bien même, en fait, je les titillais un peu. Leur cécité cognitive, tu vois, ça les amenait comme par réflexe à faire la seule chose dont ils étaient et ils sont encore fiers à tort, c'est montrer les dents. Ça veut dire que dès que tu commences à leur dire des choses qui sont vraiment inconfortables, mais qui sont vraies hein, pour le coup, tu prends des choses issues de leur orthodoxie, bah, ils commencent à devenir ag agressifs, tu vois. Moi, en fait, si tu veux, je pense que j'ai clairement confondu ma croyance en fait probabiliste, en fait, c'est-à-dire croire en l'existence, tu sais, ce qu'on appelle la thèse téléologique, c'est que oui, il y a des chances que voilà, il y a une entité supérieure et tout, mais on n'a pas de preuves, quoi, tu vois. C'est-à-dire une forme de déisme en fait en l'existence, donc aussi d'une entité supérieure qui aurait tout créé, mais qui n'interviendrait pas sur cette création, tu vois, en donnant des indices statistiques sur ce qu'il faut interpréter quand on raisonne sur le pourquoi du comment. Et j'ai confondu ça en fait avec l'appartenance à un groupe religieux qui me donnerait l'impression d'être une personne, tu vois, au sens
ma personne, tu vois, au sein d'une communauté. Et ça, je pense que c'est une énorme erreur d'abord. Alors, c'est une erreur de perception, c'est une erreur d'interprétation, mais c'est aussi parce que le fait que j'étais jeune et j'avais pas en fait toute la structure Oui. intellectuelle qui était associée, tu vois. Donc C'est voilà, ça. en gros, erreur de jeunesse, bon, c'est quand même une erreur considérable, tu vois. Mais comme on dit, on apprend, on se corrige et on avance, tu vois. Je me suis rendu compte que j'ai pas besoin d'appartenir à un groupe, quel groupe que ce soit, pour me sentir être moi-même. J'ai appris à me construire par l'expérience, l'observation, le questionnement et l'expérimentation, tu vois. En gros, c'est test empirique, quoi. Et donc, j'ai aussi conclu que je suis beaucoup trop différent, en fait, pour être capable d'afficher une attitude telle que je la vois dans le comportement des masses religieuses, tu vois. Donc, quand en fait on observe les trois religions principales monothéistes abrahamiques, en fait, on voit qu'il y a des choses qui sont fausses, et le débat, c'est pas de parler de l'origine des livres, qu'elles soient divines ou non, mais plutôt de questionner simplement, en fait, s'ils sont un outil d'aide à la compréhension temporelle d'un monde qui a existé, mais ils n'ont pas de valeur de réalité absolue, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à tout rejeter. Je me dis, vas-y, c'est bon, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Ouais, voilà pour la phase vraiment, tu vois, où j'ai déclenché Le process. le process d'apostasie. Tu vois, c'est. En fait, c'est vraiment quelque chose dans ta tête, tu rejettes quand tu vois que voilà, t'as suffisamment évolué pour comprendre que ça n'est pas quelque chose pour toi. Tu vois, donc c'est du jour au lendemain, mais en même temps, c'est graduel. Donc c'est un mélange en fait entre la spontanéité du rejet en fait au niveau du discours interne, donc de l'introspection, et le fait que tu délaisses, voilà, tu t'associes plus à ces gens-là, même si voilà, des fois il y en a, ils me passent le salam, je leur réponds parce que je me dis voilà, je vais pas aller crier sur tous les toits que je suis plus dans la bande en fait, voilà. Donc voilà, rapidement pour raconter, mais bon, je me suis pas trop penché, enfin j'aurais pu te donner d'autres détails un peu croustillants, tu vois, sur Et cette secte-là. si je pose une petite question par rapport à la chronologie entre le moment où tu t'es converti et le moment où le process a commencé, il y a eu combien d'années à peu près? Alors, attends, je vais compter. Je devais avoir 16 ans et quelques quand je me suis converti. Ça fait un peu plus de presque 5 ans là maintenant. Donc, D'accord. peut-être une vingtaine d'années, un truc comme ça, Ah ouais, une vingtaine d'années, ouais. Mais c'était très discontinu en fait en termes d'apprentissage, tu vois. ouais. Tu sais, faut dire la vérité, c'est que sauf si t'es en Afghanistan, partout dans le monde, tu dis que t'es musulman, en fait, il n'y a rien de vérifiable, tu vois. Moi, Ouais. regarde, la semaine dernière, un pote il m'a envoyé un message On n'a pas de à carte. oui, y a, c'est pas bon en Turquie, tu vois, ils te mettent la religion de la personne, mais ce que je veux dire, c'est que la personne, en fait, moi je connais des gens, c'est pas des musulmans, s'ils veulent, ils disent qu'ils sont musulmans, ça passe crème, tu vois. Et t'as des Ah gens, c'est des oui. musulmans, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que derrière ça ne dit rien, en fait, de la personne. L'islamité ne dit absolument Ah rien. non, pas du Ceux tout. qui se prétendent, tu vois, je vais afficher mon islamité, laisser pousser ma barbe, mettre un camis, mettre une chachira et tout, parler qu'en arabe, tu vois, pour faire voir. Ça, c'est un très bon jeu d'acteur, tu vois. Mais ça en dit rien sur la réalité, en fait, de la personne, ce qu'elle vit au quotidien, Ouais. tu vois, ce qu'il y a derrière le rideau. Donc, voilà quoi, Ah, bah merci en gros, je t'en prie. d'avoir partagé ça. Mais oui, effectivement, je pense que ça mériterait d'avoir vraiment un épisode dédié en fait comment dire à cette j'ai envie de dire secte, tu vois, mais voilà, pas par respect, je vais dire Tarika Souleymanchi. Parce que j'ai l'impression que ça c'est un autre monde, enfin une autre religion quoi. Oui. Ça a l'air beaucoup plus. Oui, Enfin, je parce sais pas. que en fait, ils sont déjà en fait par l'ethnie, ils restent entre eux. Ouais. La pratique, en fait, ils réservent certaines pratiques à des initiés. Donc c'est vraiment la méthode du gourou et toutes les structures de manipulation mentale, tous Ouais, les c'est ça. mécanismes qui sont en place. Ça marche parfaitement, ouais, bien sûr. Donc on pourrait s'étendre. Tu vois, par exemple, je voulais te parler d'un truc. Tu vois, enfin, tu vois, dans leur. Donc, tu as compris qu'avec eux, il faut complètement mettre de côté son esprit critique. Je peux te raconter une Ah oui. anecdote, hein. Tu vois, ils avaient un de leurs imams, là. Donc, un jour, il a demandé à un de ses disciples, tu vois, de se jeter du haut d'une chute d'eau devant les autres pour Ah ouais. voir quel niveau de confiance tu accordes à la parole du shir, tu vois. Et donc, il y en a un qui s'est jeté. Au moment où il s'est jeté, enfin, après s'être jeté, il se retrouva à l'intérieur d'une grotte qui était masquée par la cascade et il était en sécurité.
d'après, c'est toujours d'après leurs histoires, tu vois. D'après Et leurs histoires. parce qu'il y a rien de vérifiable, tu vois. Tu sais, c'est pas une formule Il n'y a mathématique, il y a pas pas de genre nombre. comme nous, pas comme nous. Comme les Malikites, bah tu vois, t'as la jurisprudence et t'as aussi les hadiths, etc. T'as pas des ouvrages un peu pareils, tu vois, une sorte de sahih Alors, bah justement, j'y viens. Regarde, par exemple, Ouais. eux, dans leur croyance, en fait, ils poussent les musulmans qui s'intéressent au qu'on appelle Akutub As-Sita, donc les six livres de référence, tu vois, pour ce qui est la sunna. Oui, d'accord. Donc, Bukhari, Muslim, Muwatta, Al-Bayhaqi, etc., Sunan Abu Ibn Daoud. Kathir. Ils poussent, voilà, alors Ibn Kathir, c'est un peu plus dans l'exégèse. En fait, ils poussent les musulmans qui voudraient rentrer dans leur tariqa ou qui en font partie à ne pas lire ces ouvrages, tu vois, mais juste à écouter les paroles des imams, en fait, de la tariqa Sulaymanchi. Parce qu'en fait, ils ont leur propre littérature. Et parmi les éléments de leur littérature, il y a un ouvrage qui s'appelle le Ilm al-Hal. En fait, le ilm, c'est la turquisation du mot ilm, tu vois. En fait, Ah, c'est ok. le ilm de l'État. Ah, Voilà. l'état, Je te d'accord. l'envoie sur. En fait, l'État, c'est-à-dire l'état physiologique de la personne qui correspond à dans quel état t'es, est-ce que tu es dans la Ah, spiritualité, ilm est-ce que tu es dans. al-hal, du coup. Voilà, ilm Ouais, al-Hal. ok. Je t'ai envoyé le titre, hein, voilà, tu as Ah. même l'ISBN, comme ça tu tapes sur ça sur Amazon, tu vas le retrouver. Donc tu vois, il y a ce genre de choses, tu vois. Et donc ils considèrent faire partie du groupe sauvé. Alors tu vois, par exemple, les anecdotes toujours, hein, il y avait un des oncles du gars là, du Turc, en fait, il a dit qu'il aurait rencontré des djinns dans une forêt, tu vois. Toujours en Turquie, tu vois. C'est comme les Américains avec leur film, tout se passe à New York, tu vois. C'est ça. et donc tu vois, les djinns, en fait, ils auraient particulièrement apprécié. Ils auraient particulièrement apprécié, en fait, son oncle en raison de sa supposée piété, et ils lui auraient proposé, en fait, une de leurs filles en mariage. Mais il y avait une condition, c'est qu'il devait devenir invisible pour les humains, être comme les djinns, tu vois, en termes de visibilité. Et donc à un moment, les djinns, en fait, ils devenaient de plus en plus insistants pour que, parce que, en fait, ils s'étaient dévoilés à lui, tu vois, dans cette histoire folklorique là. Et ils devenaient de plus en plus insistants pour que l'oncle du Turc, en fait, il accepte. Et ils ont commencé, en fait, à activer leur supposé pouvoir pour le forcer, en fait, à faire partie d'eux. Donc comment, le gars, il commençait à se voir devenir invisible, tu vois. Et après, il a récité le Coran, et puis les djinns, ils ont disparu. Tu vois, encore une Ah belle ouais. farce et attrape, quoi, mais ça, c'est pour apporter de la solidité au niveau de la croyance des gens, Oui. et les maintenir, en fait, dans cette espèce d'ignorance du réel. Bon, Et après, à partir. c'est. Ouais, enfin, pour le coup, c'est un peu les mêmes techniques qui sont utilisées un peu sur tout le reste, enfin, toutes les autres. Tout à fait, tout à fait. Non, Les autres c'est branches, quoi. manipulation, gaslighting, tu vois, récit fantastique où on en a. Storytelling. Ouais, Ah, c'est bien sûr, ça. ouais, tout à fait. Tu vois, C'est comme je me Game of rappelle. Thrones, quoi. Genre, ils font C'est des épisodes où ils vont approfondir un personnage pour rajouter, tu vois, un peu plus de ça. vie ou quoi, juste pour apprécier une scène précise, tu vois. Oh, non, Un c'est. spin-off. Un spin-off. Tu vois, par exemple, je me rappelle à l'époque, le gars m'a raconté encore une foutaise. Il me disait qu'un de leurs imams, en fait, il a prétendu annoncer une prophétie selon laquelle un grand pays dans le monde, dont le nom commence par A, en fait, qui n'est pas du tout musulman, il va se convertir à l'islam. Et selon eux, ce pays, en fait, c'est les États-Unis. Mais il m'a dit Amérique. Ouais, mais l'Amérique, c'est pas un pays, c'est un continent. J'ai dit, tu vois, enfin. Tu vois, et Le gros le gars, fail. après, ça sera pas l'Angola, quoi. Même si l'Angola commence par la lettre A, parce que l'Angola, c'est pas un grand pays. J'ai dit, ouais, bon, bof, essaye encore, quoi, tu vois. Et bon, tu vois, typiquement, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai vraiment ma naïveté. Elle a laissé passer ce genre de choses, et c'est dangereux, en fait, parce que il n'a pas été bon, si, quand même, le mec m'a escroqué financièrement, etc., etc., mais il n'a pas été plus loin dans la manipulation, tu vois. Je pourrais te raconter d'autres histoires, typiquement. Et du coup, maintenant que t'es apostat et tout, est-ce que t'as toujours un peu de contact avec lui ou quoi, ou Non, pas du plus tout? du tout, plus du tout, plus du tout. Justement, moi, de mon côté, en fait, la recherche est continue. Bon, je fais des recherches pas que sur ça, tu vois. Mais j'ai vu, par exemple, que enfin, entre guillemets, leur groupe sectaire, en fait, il est rattaché au Madhab Hanafi, et le Madhab Hanafi turc, en fait, il travaille directement pour le bureau, le Diyanet religieux, tu vois. Donc, en gros, les gars, ils travaillent pour Erdogan. Autant en Turquie, en fait, ils sont victimes de, entre guillemets, persécution par le régime de Erdogan, parce qu'ils les considèrent comme déviants, mais autant Erdogan se sert d'eux dans les pays occidentaux, en fait, comme œil et oreille, tu vois. Et ils essayent D'accord. d'étendre leur influence. J'avais lu un bouquin de Mohamed Sifawi que je vous recommanderais, qui s'appelle Takia, qui disait qu'en France, il y avait 30 mosquées Souleymanchi. Tu vois, c'est pas beaucoup par rapport aux 2500 mosquées Souleymanchi, mais c'est quand même un nombre assez considérable, parce qu'ils ont un pouvoir d'influence.
même s'ils sont relativement discrets. Donc voilà, c'est des choses à savoir, parce qu'il y a, en fait, t'as une ramification, une connexion en fait géostratégique et géopolitique. Faut pas juste croire que c'est des zozos en fait qui sont dans leur coin, qui sont complètement inoffensifs. Même si c'est vrai que de leur côté, tu vois, t'as pas d'action violente envers la société, mais le fait que par exemple ils s'installent, tu vois, la simple fait de leur présence, c'est un danger en fait pour les sociétés démocratiques modernes, parce que ils vont s'installer, se développer, ils vont mettre en place des commerces, ils vont faire circuler de l'argent, tu vois, ils vont avoir une influence sur la société, tu vois. Et puis tout leur discours, en fait, c'est un discours qui est offline. Tu les entendras jamais en fait tenir ce genre de propos. Mais en backstage, en coulisses, tu vois, ils vont appliquer le même système de lobotomie et de brainwashing envers les gens qui seraient potentiellement curieux, tu vois, ou qui seraient pas suffisamment armés intellectuellement pour leur expliquer, pourquoi en fait ces gens sont dangereux. Tu vois. Et comme ils sont vraiment très très discrets, c'est pas facile en fait de croiser des gens comme ça, même si dans les grandes villes, je pense qu'ils sont plus nombreux. Mais il faut le savoir. Après, sur les questions, on va dire, un peu plus extrêmes, dangereuses, eux, c'est quoi leur avis par rapport à ça? Par exemple, typiquement, les deux hadiths, les deux versets qu'on a lus tout à l'heure, sur la Tauba, les attentats, tout ça. Eux, en fait, tu vois, ils officiellement, ils disent qu'ils ont une position contre les attentats, mais moi, je me rappelle avoir eu des discussions avec le gars qui me disait que lui, des fois, il avait envie de commettre des meurtres de masse. Et pas seulement en France, mais aussi en Turquie, parce que lui, il disait qu'en Turquie, en fait, il voyait des imams qui n'appliquaient pas l'islam et qui voulaient, tu prends l'imam, tu le molestes un petit peu, tu vois, tu le tortures, tu le kidnappes, tu lui fais subir quelques petits châtiments physiques, tu vois, pas des trucs rares, mais suffisamment pour que le mec ne se sente pas en sécurité, pour qu'il arrête en fait son imam. Par exemple, les imams qui sont en faveur de la diversité, de la démocratie et tout, eux, le gars, lui, alors c'était vraiment lui, sa parole à lui, je sais pas si les autres dans sa confrérie ils pensaient la même chose, mais lui, il voulait vraiment genre supprimer ces gars-là. Tu vois, soit leur retirer la possibilité d'être imam quelque part, soit les exterminer. Tu vois. Mais il aurait, je l'ai vraiment entendu tenir des positions en faveur des actes, tu vois, le terrorisme islamique, ce genre de choses. Non, ça, par contre, je vais pas lui accorder en fait des choses qu'il n'a pas faites, qu'il n'a pas dites. Mais il me l'a déjà dit une fois que des fois, en fait, tu vois, par exemple, typiquement quand il y a eu le conflit, les multiples conflits en fait entre Israël et Palestine. Lui, en fait, il disait qu'il ressentait dans sa chair, tu vois, la douleur des Palestiniens, et que ça lui donnait envie de commettre des vendettas, tu vois. C'était ce qu'il disait. Moi, je me dis quand même, faut aller loin, quoi. T'es turc, c'est quoi ton rapport avec les Palestiniens à part la religion? Bon, ok, vas-y, on va mettre la mosquée à l'Aqsa. Ok, très bien. Mais mec, tu vas faire quoi? Le type, il avait quand même une espèce de viscéralité comportementale, tu vois, à cet aspect très impétueux, et c'est quand même assez inquiétant, parce que je me dis que pour peu qu'il tombe sur un imam qui lui lave suffisamment bien le cerveau, il est capable de passer à l'acte. En tout cas, moi, je me dis, il n'y a pas de risque zéro. Oui, bien sûr. Tout ce que j'ai vu, je ne vais pas le dédouaner, je ne vais pas lui attribuer des bonnes intentions, tu vois. Surtout que moi, j'ai vu quelques informations sur certains types de musulmans. C'est extrêmement dangereux, tu vois, et sans parler de leur secte, mais de façon générale. Donc, après, on va pas généraliser, bien sûr, mais l'idée, c'est qu'il faut rester prudent, tu vois, de façon générale. Mais leur tariqa, je les ai jamais entendus dire des choses, à part lui, ses propos-là, un peu de cinglé, ils ont jamais dit des choses vraiment très tendancieuses vis-à-vis des actes. Mais ils ne renient pas le Coran, ils ne renient pas le fait qu'il y a des versets violents dans le Coran, mais tu ne les entendras pas en parler. Tu vois. Ils vont essayer donc en fait, tant que tu ne renies pas indirectement, tu ne renies pas le Coran, tu es d'accord, quoi. Enfin, c'est pas que tu es d'accord, mais que voilà, tu fermes les yeux ou tu choisis de fermer les yeux sur tout ce qu'il y a de plus violent dans ce livre, quoi, tu vois. De toute façon, comme on dit, qu'il ne dit rien qu'on sent. Tu vois. Ouais, donc, exactement. Sur de là, je pense que, comme on dit, entre guillemets, la messe est dite. Ouais. Donc, ouais, voilà pour... En tout cas, merci beaucoup. C'était très, très enrichissant. Je pense que... J'ai appris tellement de choses sur cette tariqa que je ne connaissais pas du tout, et ça m'intéresserait d'en apprendre plus, quoi. Et je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Donc, merci à toi. Bah, écoute, je t'en prie. Et du coup, passons sur des sujets un peu plus, diversifiés. Yep. Allons-y. Et faisons la partie thématique de cet épisode.
Yes. Sachant qu'on en a choisi 5 qui sont très intéressants aussi. Et je vais vous les dire tout de suite. Je vais les afficher là en bas de l'écran. Tac. Alors, les 5 thématiques vont être art, cinéma, économie, histoire et avenir. Voilà. Moi, ça Ouh, m'inspire on beaucoup de commence. choses. On commence par l'art, du coup. Ok. Vas-y. Allons-y, mettons le pied. Bah, Allez. du coup, je vais te poser la fameuse question. Art, qu'est-ce que ça t'inspire de positif et de négatif dans une société musulmane? Alors en fait, s'il faut parler d'un art musulman, on se réfère très très souvent, si tu veux, aux œuvres, ce qui revient le plus souvent, les œuvres calligraphiques historiques, hein, produites par les artistes musulmans, au moment de ce qu'on appelle l'âge d'or. C'est vrai que la civilisation arabo-musulmane, en fait, elle a apporté avec la stylistique, les courbes, le côté extrêmement novateur, et malgré les contraintes en fait, qui sont issues de l'orthodoxie et de l'orthopraxie du dogme, comme le fait de ne pas représenter les êtres vivants tels que les humains et les animaux, ça a généré en fait pas mal d'œuvres scripturales, tu vois. Donc il y a eu une contribution, tu vois. Et d'ailleurs, pour parler de calligraphie, je vais citer un artiste que je connais, un Marocain en fait, il s'appelle Dema, donc sa page Instagram, je vais te la déposer tout de suite. Je te l'envoie sur. Voilà. Là, tu pourras voir de tes propres yeux. C'est ça.